J-60. J comme Johnny, et moins 60 parce que dans 60 jours exactement, Johnny fêtera ses 60 ans. En 43 ans de carrière, Johnny a pulvérisé tous les records. 100 millions d'albums vendus, près de 1000 chansons, 5000 concerts, 15 millions de spectateurs, une longévité hors du commun. Ces images, vous les connaissez peut-être déjà. Johnny a traversé toutes les modes, toutes les époques. Il fait désormais partie de notre histoire, à tous. Du petit Jean-Philippe Smet à la star Johnny Hallyday, vous avez tout vu, tout lu, tout entendu. Mais qui est-il vraiment? Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il y a une énigme Johnny. Pendant 60 jours, J-60 vous propose de découvrir le plus grand artiste français. Pas seulement côté scène, mais surtout côté coulisses. L'occasion aussi de reconstituer pièce par pièce le puzzle d'une personnalité complexe. Pour la première fois, une caméra s'est immiscée dans le quotidien de Johnny et vous découvrirez un homme étonnant, inattendu et même touchant. J-60, c'est un compte à rebours, une vie en accéléré. Aujourd'hui, le quotidien de Johnny, c'est d'abord la préparation de ses concerts et son 60e anniversaire qu'il fêtera au Parc des Princes devant des milliers de fans. Dans 60 jours, tout doit être prêt. Les décors, les choristes, les lumières, les costumes, les effets spéciaux. Autant de décisions à prendre et Johnny doit trancher. C'est pas oui, on verra, c'est oui, non. Alors que l'échéance se rapproche, la tension monte. Et surtout, Johnny n'est pas satisfait des premiers résultats. On va plein pied, ça va pas du tout. Le décor ne plaît pas à Johnny. Son équipe doit trouver une nouvelle solution avant 48 heures. Salut. Jour après jour, vous verrez Johnny se préparer à cet événement avec ses doutes et ses certitudes, ses coups de stress, ses coups de gueule, mais aussi ses moments de détente. Une star inaccessible et pourtant si simple dans sa vie de tous les jours. J'adore les chiens. Les chiens sont des êtres qui ne vous demandent rien. De l'affection. Les plus fidèles. Ils ne vous tromperont jamais. Derrière le chanteur, c'est aussi le comédien que vous apprendrez à connaître. Bonsoir et bienvenue sur France 2 pour une nouvelle émission Comme au cinéma. Johnny est un autre homme quand il parle de cinéma, sa première passion. C'est assez rare, le comédien Johnny Hallyday. Vous connaissez l'émission? Je regarde l'émission. Et je vous vois en vrai. Un regard qui s'illumine quand Johnny le chanteur s'efface devant Johnny l'acteur. Vous rencontrerez un Johnny que vous ne connaissez pas, l'homme d'affaires, toujours prêt à s'investir dans les projets qui lui tiennent à cœur. Ça va? Oui, monsieur Johnny, ça va? Ça va vous-même? Ça va? Enfin, vous avez encore du boulot. Après son restaurant, il se lance aujourd'hui dans la réalisation d'une gigantesque discothèque au centre de Paris. Mais là aussi, Johnny sait ce qu'il veut. Je veux que les gens soient contents. Moi, je ne suis pas en train de... Quand je fais un spectacle, je ne lésine pas pour faire un bon spectacle. Et par ici. Pour la première fois, Johnny nous entraîne avec lui dans sa maison et dans son quotidien. Vous partagerez ses passions, vous le suivrez dans sa vie de tous les jours. Il n'y a rien de plus simple. Même moi, j'y arrive. Lui, il a une benne de cocu. Moi, non, je joue bien tout à fait. Johnny, il a les inquiétudes, les timidités, les pudeurs, les maladresses de l'enfance. Derrière l'assurance de la star, vous surprendrez l'homme, à fleur de peau, timide. Après des milliers d'interviews, c'est toujours la même tension. Johnny préfère la discrétion, loin des caméras, loin des mondanités. Et bien sûr, il y a sa relation avec David. Après les années difficiles, l'amour enfin affiché d'un père pour son fils. La fierté aussi. Et puis cette passion commune pour la vitesse, la course, la compétition. Deux hommes si différents, pourtant si proches, qui se sont enfin retrouvés. Et puis la plus belle des passions, sa femme, Laetitia. Laetitia, sa complice de tous les jours, celle qui le rassure, qui le rend heureux. Vous verrez aussi les facéties, les copains, les bons et les mauvais jours. Vous serez aussi avec ses amis les plus proches.
ceux qui partagent l'intimité de Johnny. Ceux qui savent que pour lui, l'amitié c'est souvent un contrat pour la vie. Ceux qui connaissent le chanteur, mais surtout l'homme. J'ai dû vivre 10 villes dans ma vie. Donc, si vous me regardez tous les jours, ceux qui ne m'aiment pas, bon courage, et ceux qui m'aiment, eh ben, tous les jours, je vous donne un petit quelque chose de moi. Le compte à rebours a commencé. Bienvenue dans l'univers de Johnny. Nous sommes chez Johnny, dans la banlieue parisienne. Il quitte Laetitia pour un rendez-vous très important. Paris, 17e arrondissement. Comme à chacun de ses déplacements, Johnny est accompagné de ses nombreux fans, mais aussi de son garde du corps. Ne reste pas chez toi avec tes certitudes. Aujourd'hui, l'artiste doit discuter avec son producteur. Cet homme, c'est JCC, autrement dit Jean-Claude Camus. Depuis 28 ans, il a produit plus de 1000 concerts avec Johnny et rassemblé plus de 5 millions de spectateurs. Les deux hommes sont à J-59, soit à 59 jours seulement du premier concert au Parc des Princes. Ils ont naturellement des choses à se dire. Bon, on a besoin de tranquillité. La tranquillité, c'est ce qui manque justement dans la pièce à côté. Ces trois hommes doivent présenter à Johnny le décor de la prochaine tournée. Pour l'instant, c'est une maquette, vous n'en verrez pas plus, c'est top secret. Parmi ces trois hommes, donc, Yvan Cassard, le plus jeune. Il dirigera les musiciens pendant les concerts. Bernard Schmitt, c'est lui le coordinateur des mises en scène de Johnny depuis 10 ans. Et Jacques Roverolis, concepteur lumière, on l'appelle le magicien. Je suis très prudent, d'abord parce que je ne suis pas toujours sûr d'avoir la vérité. Et puis surtout, c'est lui qui chante. C'est lui qui est sur scène, pas moi. Il y a toujours un peu d'appréhension, on espère toujours qu'il va aimer nos idées, qu'il va les valider, qu'on va pouvoir s'entendre, etc. Parce qu'il peut être dit dur, il est très professionnel, donc c'est vrai que s'il estime que ça vaut pas la peine, c'est très vite fait, hein. Il n'y a pas de tergiversation, c'est pas oui, on verra, c'est oui, non. Ce sera oui ou non, et on le saura bientôt. On a fait la maquette suivant les dessins de ce qu'on t'avait proposé. Donc, j'ai fait venir tout le monde, on va aller la découvrir. Il faut voir la maquette, parce que souvent les dessins, les maquettes, ça donne pas la même chose. Avec des... Oh, c'est lui, là. Oh, tout ça. Voilà. Et toi, Johnny rejoint enfin son équipe. Ils ne se sont pas vus depuis 3 semaines. L'ambiance est pour l'instant détendue. Alors, voilà. Voilà l'engin. Voilà l'engin. Bah, c'est un peu le genre. C'est un peu le genre porte-avions, ouais. Premier regard, premier contact. Ouais, je te l'ouvre, ça. Voilà, si t'as pas le vertige, il y a 25 mètres. Ah, c'est moins pire que l'hélicoptère. Oui, mais enfin, juste après. Mais ça, c'est nul, ça. Ça. Mais ça, en fait, ça a changé maintenant. C'est-à-dire que tout ça, c'est beaucoup plus proche. Il n'y a plus la profondeur comme ça. Il y a une toile peinte, tu vois, qu'on est à un deuxième niveau, quoi. Mais il n'y a pas la profondeur. Et ça, c'est plein, de toute façon, maintenant. C'est non, nul. Mais il ne faut pas d'étage. Tu crois? Il faut un papier. On va plat pied, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Yvan Cassard l'a compris, la réunion tourne mal, le décor ne plaît pas à Johnny. Oui, mais c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas les dessins que j'ai vus. Hein. Ça fait bricolage. Ah oui, mais c'est parce que tu le vois en maquette. Non, là, mais ça me plaît pas, c'est pas ce que j'ai envie. Quand ça va être sur 60 mètres de large, c'est...
je suis pas content du tout. Pas du tout. Toi, tu préfères qu'il n'y ait que le premier étage, en gros. Enfin. Ouais. Si on supprime la moitié du truc, ça va nous faire des économies. Échafaudage. Oh, j'aurai de choses à montrer. Salut. Bah attends, il faut quand même qu'on discute un petit peu, on va partir comme ça. Les rires nerveux de Bernard Schmitt et d'Yvan Cassard ont du mal à cacher un vrai malaise. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons un problème. Un problème de taille, en effet. Il ne leur reste que 59 jours pour construire ce gigantesque décor et seulement 48 heures pour faire une nouvelle proposition à Johnny Hallyday. Un studio de télévision et extérieur comme d'habitude, des fans. Certains sont là pour entrevoir des stars, d'autres espèrent même un autographe. Sécurité, garde du corps, on attend la star. Johnny Hallyday, le plus important. Ouais, j'aime bien Johnny Hallyday. Voiture noire, vitre teintée qui file tout droit vers le parking, c'est ça la discrétion version Johnny Hallyday. Ses fans le reconnaissent, ils savent aussi qu'il ne s'arrêtera pas. Bah, il est passé par les sous-sols, hein, comme d'habitude. On pensait le voir. Les fans sont un peu déçus peut-être, mais ceux qui connaissent bien Johnny savent expliquer son attitude. Johnny, il a les inquiétudes, les timidités, les pudeurs, les maladresses de l'enfance, et c'est pour ça qu'il est comme ça. Johnny est une star parce que, à travers lui, il y a des milliers de gens, il y a des millions de gens, de Français, à travers d'autres générations, qui se reconnaissent en lui. Il est à la fois inaccessible et très proche des gens. C'est ça qui est magique chez lui. Ce soir, c'est le tournage de l'émission Le Printemps est là, parrainé par Zinedine Zidane. L'agitation est à son comble à quelques minutes du direct. De nombreuses personnalités se sont mobilisées. L'occasion pour ces têtes d'affiche de la chanson, du petit écran comme du grand, de se retrouver, de s'embrasser et d'échanger quelques nouvelles. Et puis, il y a Johnny. Par discrétion ou par timidité, il préfère se faufiler par la petite porte. Profil bas, tête baissée, il retrouve sa loge au plus vite, loin des caméras et des mondanités. Pendant ce temps-là, les retardataires font une apparition toujours très remarquée. La télévision, c'est toujours un petit peu stressant parce que tout est en retard, rien n'est prêt. Zinedine Zidane arrive enfin, avec un peu de retard. Ce n'est pas par nonchalance, mais surtout par discrétion. C'est vrai que quand on est timide, on a une espèce de recul comme ça par rapport aux gens qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, hein, qu'on rencontre comme ça. Exactement. Et que les gens ont peut-être tendance aussi à penser qu'on est peut-être hautain, un peu distant, alors c'est que ce n'est pas ça du tout, c'est plutôt par timidité. Mais il impressionne tout le monde. Personne ne peut imaginer que Johnny est timide. Mais les stars aussi sont timides, je veux dire. Zidane aussi est très timide. Hein. Il y a plein de gens qu'on connaît. Ventura était très timide aussi. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Et c'est justement Zinedine qui vient saluer Johnny Hallyday dans sa loge. Michel, vous attendez. Ça va, Michel ? C'est bien. Hein, regarde comme tu es affûté. Ouais, ouais. Dis donc, il était dur le terrain hier, non ? Très dur. Dur, hein ? Très difficile. Dur, j'ai vu ça. C'est un match piège. Pourtant, c'était passé. Si Michel Drucker est très à l'aise, nos dieux du stade le sont moins. Non, c'est bien. Merci d'être en forme. Oui, ça va. On va tout à l'heure ? Oui. On va voir tout à l'heure. Avec plaisir. C'est bien, en tout cas, c'est bien ce que c'est fait. Ce sera tout. Quand deux grands timides se rencontrent, ils ont du mal à trouver les mots. Jean-Claude, pardon, on est en direct. Et alors, qu'est-ce qu'on fasse ? Qu'ils sortent ! Il faut que l'artiste sorte, excusez-moi. Il faut que l'artiste sorte. S'il te plaît, Jean-Claude. L'artiste quitte enfin son refuge, mais comme toujours, il est accompagné d'une quinzaine de personnes, attachés de presse, photographes, journalistes, gardes du corps. Les quelques mètres qui les séparent du plateau, il les parcourt en silence et Laetitia veille. Ensuite, il vous appelle, donc vous allez rentrer avec Yann. Vous le rejoignez au centre du plateau et vous allez vous asseoir avec lui. Donc là, sur le plan, Michel. Et après des milliers d'émissions de télé, Johnny est aussi tendu que pour une première, aussi professionnel que pour un concert. C'est le moment d'entrer en piste. Et la star ne manque pas de saluer ses musiciens.
Comme à son habitude, il suffit de braquer les projecteurs sur Johnny le timide pour qu'il redevienne le Johnny Hallyday que le public connaît. Ne reviens pas, reste où tu es, fais-moi plaisir, fais-le pour nous, ne reviens pas. Je trouve que la démesure de sa notoriété avec cette timidité, ce sont tous les contrastes qui me touchent. C'est un homme profondément, je sens comme ça, profondément gentil. Peut-être est-ce que je me trompe, mais je crois pas. Un homme gentil sans doute, mais constamment pressé et sollicité. Laetitia glisse à l'oreille de Johnny que l'autre personnalité préférée des Français participe aussi à l'émission. Johnny décide alors de lui rendre visite et ce, quelques minutes seulement avant son prochain direct. Cet homme, c'est l'abbé Pierre. Moi, il faut que j'y retourne au plateau, là. Je suis content de t'avoir vu. Et il faut que je retourne parce que je suis en direct. Quand tu sais, je serais erré quand ça revient. Tu viens tout à l'heure. Tout à fait. Ok. À tout à l'heure. C'est toujours agité, c'est toujours... En plus, on était un peu juste là parce qu'il y a un direct, donc c'était un petit peu tendu, mais non, les choses se sont bien passées. Voilà, c'est fini. Laetitia et Johnny quittent le plateau. Ce soir, nous avons découvert un Johnny plus réservé, plus timide, plus fragile. Pourtant, sur scène et pour son public, l'artiste paraît toujours à l'aise. Il est toujours très détendu. Très détendu en apparence. Il entend tout. Et à l'intérieur ? À l'intérieur, ça faudra qu'on lui mette un fil un jour pour savoir ce qui peut se passer dans sa tête. Mais je ne connais personne qui sache exactement ce qui se passe dans sa tête. Souvenez-vous, c'était il y a quelques jours. Mais ça, c'est nul, ça. Le décor de la prochaine tournée des stades n'a pas du tout plu à Johnny Hallyday. Non, je ne sais pas pourquoi. Mais... Contre toute attente, la star a rejeté en bloc la maquette qu'on venait de lui présenter. Un rendez-vous a été fixé à aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Après quelques jours et quelques nuits de travail, la maquette est enfin prête. Ouais, je trouve ça bien. C'est juste parce qu'il y a des deux. C'est du boulot tout ça encore. De la marche à pied. Là, comme d'habitude, moi, de toute façon, on fait toujours arriver par les airs et après, on va faire un marathon. Johnny plaisante, c'est plutôt bon signe. C'est le problème des stades. Est-ce que ça a besoin d'être si grand? Oh, voilà l'artiste qui vient raisonner. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il y en a des kilomètres à faire, à pied. Ah, ça, il y a bien. Moi, je verrais bien arriver en motocling et en descendre par l'autre côté. Non? Si, ça fait longtemps qu'on a vu une moto dans ça. Johnny adore les motos. Elles font partie de la plupart de ses shows, même s'il faut parfois reconstruire le décor. À Bercy, par exemple, il y a eu un moment où il a imaginé une arrivée en moto qui n'était totalement pas possible dans le décor. Et donc, en 3 jours, 3 nuits, on a construit une rampe qui permettait à une moto d'arriver en haut, puis de descendre jusqu'à la scène. Quoi. Ça, c'est des moments où on vieillit un peu, oui, mais... Ça vous plaît. Après coup, oui. Pas du tout seul coup. Moi, j'essaie toujours d'éviter les choses qui se rapprochent de ce qu'on a pu déjà faire ou de ce qu'on a déjà vu. Par moi ou par d'autres, bien sûr. Du jamais vu, en juin 1993, Johnny décide de faire son entrée comme un boxeur sur le ring. Il va donc traverser le Parc des Princes à pied, au milieu des 60 000 spectateurs. À ses côtés, Jean-Claude Camus, son producteur. Johnny lui a demandé de l'accompagner dans ce pari insensé. Pour travailler avec Johnny, il faut vraiment avoir compris son fonctionnement. Il faut savoir délirer avec lui sur les idées qu'il peut avoir. Ne jamais le prendre de front en lui disant non sur quelque chose. Et il dit toujours, quand il parle de notre liaison, on va dire, que je ne lui ai jamais dit non. En fait, si, je dis non, mais d'une certaine façon, j'essaye de colmater les choses pour pas qu'elle déborde de trop. Nouvelle mise en scène exceptionnelle. En 1987, des cascades inondent la scène de Bercy. Une véritable prouesse technique à la démesure du chanteur. Souvent, on me dit... Oh là là, qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois? Il faut que ce soit plus grand, il faut que ce soit plus haut, plus fort, etc.
Je pense que non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de pouvoir faire à chaque fois quelque chose de différent. En l'an 2000, Johnny décide de faire un cadeau exceptionnel à son public. Un concert gratuit au pied de la Tour Eiffel. mille spectateurs sont présents pour assister à l'un des plus grands spectacles qu'ait jamais donné la star. Un moment magique et inoubliable aussi pour les 10 millions de téléspectateurs qui assistent en direct à la retransmission de l'événement. Si Johnny embrase la Tour Eiffel, c'est d'abord et avant tout pour son public. Vous êtes formidable. Quand ce garçon rentre sur une scène, c'est quelque chose de très très particulier, quoi. Et la messe qui se passe entre lui et le public, c'est quelque chose de tellement rare que, évidemment, on ne peut pas en devenir blasé. Et s'il s'agit bien d'une messe, Johnny Hallyday ne peut arriver que par le ciel. C'est ainsi que ce dieu du Stade de France décide de faire son entrée en 1998. Pendant plus de 3 heures, Johnny allume le feu. 90 musiciens, 400 choristes, une pléiade d'effets spéciaux, 1000 techniciens, une scène de 3500 m², une année de préparation pour ce concert titanesque, et le toit du Stade de France s'enflamme. Revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui, les concerts de juin prochain. Alors, expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Alors, l'arrivée, donc. Et ensuite, ma grande angoisse commence. Oui, la mienne aussi. Oui, bah, non, mais moi, je veux pas être dans cette position. Et dans la main, tu étais comment dans la main? Oui, j'étais à l'envers quand ça arrivait. Je peux te dire un truc, quand le jour où c'est tombé en panne, j'avais la tête à l'envers. Et je voyais des gens à travers les doigts, ils voyaient, ils faisaient « Ah, Johnny !» Comme un con, j'étais là. Et ouais, je peux rien faire, putain de merde. Je vous ai maudit, genre. Johnny est quelqu'un qui est très long à donner sa confiance. Quand il l'a donnée, il ne faut surtout pas le tromper. Il n'y a pas besoin avec lui de signer des papiers. Les choses se passent à l'amitié, à la réelle amitié, je crois. Vendu. Bon, ça va, t'excites pas. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, Johnny a validé le décor de la prochaine tournée. Mais il reste à choisir les musiciens, les choristes, les chansons, les costumes, les lumières, les effets spéciaux, la mise en scène, bref, le plus dur reste à venir. Aujourd'hui, Johnny Hallyday est vraiment de bonne humeur. Il est l'invité d'une émission de cinéma. Et le cinéma, c'est sa seconde vocation. Quand j'ai commencé ma carrière de chanteur, au départ je ne devais pas être chanteur, je voulais être acteur, mais la vie a fait que je suis devenu chanteur avant d'être acteur. Et c'est très bien comme ça, hein, c'est très bien comme ça. En décembre 2002, Johnny était à l'honneur, il recevait sa première récompense d'acteur. Comité d'accueil spécial copain, Gérard Depardieu et Jean Reno lui remettaient le prix Jean Gabin. Johnny était très ému. Lui qui a décroché toutes les récompenses qu'un chanteur puisse rêver, c'était enfin la reconnaissance de l'autre Johnny, l'acteur. Mais oui, je suis ému parce que vous savez, j'ai voulu faire du cinéma toute ma vie. C'est le premier prix que je reçois. Alors évidemment, pour moi, c'est formidable de recevoir un prix en tant qu'acteur. Ça prouve que quelque part, on me reconnaît en tant qu'acteur, et ça me fait plaisir. Ça arrive fréquemment? Écoutez, ça m'arrive depuis pas longtemps, et j'en suis très heureux comme ça. Et ça arrive effectivement de plus en plus souvent. Aujourd'hui, Johnny est l'invité de l'émission de France 2 Comme au cinéma, une émission 100% cinéma. Dans les coulisses, il retrouve Chantal Lobby, Gérard Darmon et Bernard Campan. Je fais partie du public qu'il a eu à l'usure, je crois. Donc je suis pas un fan de... ni de la première heure, ni de mon plus jeune âge, ou de tout ce qu'on veut, mais je suis devenu progressivement un adepte
de Johnny Hallyday. Un autre fan de Johnny, c'est Frédéric Lopez, le présentateur de l'émission. Ça fait bien de voir Johnny en vrai, mais demander, je crois que tout le monde répondra la même chose. La porte s'ouvre. Bonjour. Comment est-ce que ça fait? J'ai déjà déjeuné avec lui, regardez, du doigt et tout. Je filme un peu, excusez-moi. Ça va? Non, dis-moi tu parce que... Ça va? Très bonne humeur, ça fait plaisir. Bonsoir et bienvenue sur France 2 pour une nouvelle émission Comme au cinéma, émission exceptionnelle ce soir, puisque nous recevrons pour un tête-à-tête assez rare, Johnny Hallyday. Et bien le fait de recevoir le prix Jean Gabin qui récompense les jeunes talents, les professionnels, la critique et aussi le public reconnaissent ses talents d'acteur. Nous allons applaudir le comédien Johnny Hallyday. Très heureux de vous accueillir dans Comme au cinéma. Vous connaissez l'émission ? Je regarde l'émission. Bon, ça fait très 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 plaisir. Quand je l'ai su, je peux vous dire que j'avais encore plus le trac en la faisant. Et je vous vois en vrai. Je trouve de plus en plus à l'aise. De plus en plus à l'aise dans la communication. Il s'exprime de plus en plus facilement. C'était quand même quelqu'un de très bloqué, qui justement, de par son blocage, ne faisait que rajouter des erreurs à ce qu'il disait. Dès qu'il voulait rattraper une erreur, il en faisait plus. Et maintenant, il est là, il est incroyable, ce type. Il vous arrive un truc incroyable. Vous avez reçu le prix Jean Gabin, qui récompense les jeunes talents. Non, mais c'est incroyable. Remarquez depuis le temps que j'essaye, il faut bien que ça m'arrive un jour. Johnny s'illumine lorsqu'on parle de cinéma, d'ailleurs, c'est plus le même homme. Johnny, son but, c'est ça. J'allais dire, il est presque plus à l'aise pour quand il parle de cinéma que lorsqu'il est obligé de parler de lui, de ses albums, de ses tournées, de sa promo. C'est vrai que le cinéma me permettait de m'évader, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est formidable le cinéma, parce que le cinéma, on rentre dans une salle obscure, on regarde un film, on s'évade avec l'histoire, avec les acteurs, avec le film. Moi, il n'y a rien d'autre qui m'aide à l'évader comme ça. Il a été incroyable. Incroyable. Comme on l'a jamais vu, j'espère. Non, il était... Mais pas... Il était super décontracté, beaucoup d'anecdotes, très très généreux, c'est important, il n'y a pas beaucoup d'artistes généreux. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent donner comme ça, lui il raconte l'envers du décor, beaucoup d'autodérision. Et en fait, voilà, les stars sont jamais stars par hasard, et là, on comprend pourquoi, ça c'est bon. Une star qui donne pendant les émissions, mais aussi après les émissions. Johnny prend le temps de signer quelques autographes au personnel de France 2. Merci, et au revoir Johnny. My love for you, you know. Banlieue parisienne, mercredi soir, bienvenue à un dîner chez les Hallyday. La simplicité de l'ambiance contraste avec l'affiche exceptionnelle des invités. Paul Belmondo, Stéphane Fraisse, Santi, Bruno Pouzzoulou et Marc Lavoine. Autour de la table, juste une bande de potes, une atmosphère bon enfant. Rien à voir avec les clichés, les excès du passé, les sorties de boîte de nuit au petit matin. Ma vie a changé, c'est pas uniquement rapport familial, c'est parce que c'est la vie qui m'a changé, parce que mes envies ne sont plus les mêmes qu'avant, c'est tout. Je préfère avoir une bonne poignée d'amis autour de moi et passer une bonne soirée avec eux que de passer mes nuits dehors dans les boîtes de nuit à m'emmerder avec des abrutis qui n'ont rien à me dire. Comédien, je veux pas dire acteur de ciné. On prend une guitare, on se marre, on chante faux, on dit n'importe quoi, on improvise des mots, mais on s'amuse beaucoup, quoi. Et je t'aime. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est ça qui est bien. Retour en arrière, 1966, Johnny a 23 ans. Et quand il parle de l'amitié, il se rend bien compte qu'il n'est pas un jeune homme comme les autres, mais bien l'idole des jeunes. Les copains, ça n'existe pas, je trouve. Ce qui existe, c'est des amis. Le mot copain, tout le monde est copain dans la rue. Souvent, c'est à cause des gens, tu vois, qu'on perd des amis. À cause de gens, des raconteurs. Tiens, là, m'a dit ça. Tiens, j'ai entendu dire que l'autre m'a dit ça. Et puis, on n'en finit plus. Surtout dans ce métier, c'est un métier de ragot. Ah, c'est affreux.
La vie, c'est aussi les coups de blues. David vient de naître, pourtant Johnny a voulu mourir. C'est Tiki Olgado, son ami, l'homme sans casque sur cette image, qui lui a sauvé la vie. 2 mois plus tard, il sort un tube qui relance sa carrière. Noir, c'est noir. Moi, j'ai eu 2-3 amis dans ma vie, j'ai été des fois déçu, c'est toi. Puis ça fait mal, puis alors, quand on prend un coup, on en prend 2, on s'y fait. Et à chaque fois, j'en prends plein la tronche, toi, mais... Je me dis, après tout, pourquoi pas, peut-être que lui, il est pas comme ça. Puis je reprends encore un coup sur la gueule, et puis je recommence, puis c'est la vie. Est-ce que tu t'es posé la question inverse, c'est-à-dire est-ce que tu aurais déçu des amis à toi? Ça, sûrement, ouais. L'aventure, c'est l'aventure. 1978, c'est l'époque du tandem Sardou-Hallyday, les meilleurs potes du monde. Cette année-là, ils décident de descendre le Colorado. Déjà le goût de l'aventure pour Johnny, mais jamais sans ses copains. C'est vrai, il est brut, ce gars. Ah, bon. C'est délivrance. Avec les années 70, c'est aussi l'image d'un Johnny qui passe ses vacances dans le sud, entouré de sa bande. Entre Saint-Paul-de-Vence et Saint-Tropez, il signe les plus belles fêtes de l'été, mais aussi les plus belles parties de pétanque. Trop fort. Juin 1980, 37 piges déjà et des copains au sommet de leur gloire. Mort Schumann, Eddie Mitchell, Serge Gainsbourg et Gérard Depardieu sont venus fêter son anniversaire. Et comme toujours, c'est Gérard et Johnny qui mettent l'ambiance. Il suffit de mettre la machine en route et puis on est tous heureux, quoi. Vous savez, j'adore Brassens. Ce matin, l'idée m'est venue, crayon de nez d'enculé rempendu. Non, mais enfin, je peux me laisser aller un peu. Non, je peux me laisser aller. Non, mais ça ne passera peut-être pas, mais bon. Écoute-moi, le vampire sur l'importance, l'enfendu qui se balance. Il est 2h du matin, alors tout est permis. Prénom de Dieu. On n'est jamais content. Merci, vous êtes ici. On n'est jamais content. Je trouve que lui, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa femme aussi, que je trouve formidable. Je trouve les deux. Moi, je viens voir les deux quand je viens ici. Je viens pas voir que Johnny. J'aime beaucoup voir Laetitia. J'aime bien sa tête. Je trouve qu'elle a quelque chose de vrai. Et je trouve que c'est bien pour lui, quoi. Donc, c'est les deux, quoi. C'est le tout. Santa Lucia. Santa. Avec l'arrivée de Laetitia dans la vie de Johnny, le clan s'est élargi. Et visiblement, entre leurs amis, le courant passe. Et lui a épousé mes amis aussi, et moi j'ai épousé ses amis, et on a rencontré des gens ensemble, on s'est fait notre petit monde à nous. On a vraiment un cercle d'amis très intime et célébré, quoi. La fin de soirée approche, on change les guitares, on change de registre aussi. Fini Brassens, fini les chansons paillardes. C'est l'heure des mots d'amour, des chansons de Johnny. Pour Laetitia. If I'm seen with someone new, don't be blue, don't you be blue. There is only one for me, and you know who, loving you. Allez, bonne nuit et revenez quand vous voulez. Paris, Champs-Élysées. Des centaines de personnes, un service d'ordre renforcé, celui qu'on attend arrive enfin, c'est Johnny. Le comédien Hallyday vient présenter en avant-première son 25e et tout dernier film, et c'est la guerre des flashs. Encore quelques photos, mais ce soir, Johnny a le sourire. Il va retrouver toute l'équipe du tournage. Ils ne se sont pas vus depuis 8 mois. Aux côtés de Renaud, Gérard Depardieu, Harvey Keitel, Richard Boringer, Saïd Tekmaoui, Stéphane Fraisse, Albert Drey, Johnny s'amuse dans le rôle d'un cambrioleur.
Quand Johnny Hallyday joue, Jean-Philippe Smet s'amuse. We're just here to show Johnny Halliday's new album. Oh no, this is the famous French singer. No. Huit mois après le tournage, c'est les retrouvailles de cette bande de potes pour l'avant-première. Mais Johnny sait que dans quelques minutes, c'est le public qu'il devra conquérir. Johnny a besoin de réconfort et Laetitia est encore là pour le rassurer. Derrière Renaud, quelqu'un que vous adorez évidemment, qui lui aussi a beaucoup aidé Brad à monter ce film, monsieur Johnny Hallyday. Je voudrais dire merci au Festival de Paris pour ce soir. Merci et j'espère que vous aimerez le film. Voilà, Johnny. Bon, ne vous inquiétez pas, il a fait un grand effort en parlant français. Et vous verrez que dans le film, moi, je parle anglais comme lui parle français. Une fausse modestie pour Johnny qui parle couramment l'anglais. Une vraie modestie, en revanche, quand il décide de rester dans la salle pour découvrir la réaction du public pendant la projection. Fin de la séance et toute l'équipe redescend pour la photo traditionnelle devant l'affiche. Johnny est décontracté. Il tente même de déstresser son ami Renaud. La projection a dû bien se passer. Il était très stressé. Il a eu du mal à se détendre et puis après le premier quart d'heure, ça a été. Quand il voyait que les gens riaient beaucoup et il a commencé vraiment à se détendre et là, il est très détendu maintenant. Dehors, c'est l'attroupement. La rue est complètement bloquée, des fans l'attendent depuis plusieurs heures. Johnny est tout sourire. Direction, un grand restaurant parisien où toute l'équipe du film s'est donné rendez-vous pour une soirée privée. Johnny surprend ses gardes du corps en offrant un ultime autographe à un fan. Dernier signe de la main, Johnny va pouvoir maintenant retrouver Brad Mirman, son réalisateur. How was he in the film? Johnny, yes. Il est génial dans le film. Moi je crois qu'il est What? Très très drôle. What? I think Johnny What? Is very funny. Tu parles anglais ou quoi? Non, je parle pas anglais. Je suis Frenchy. You're yeah. Frenchy. Oh, you're giving me money now. You use my jokes now. This time I keep it. Okay, next question. Say good things on me. I will. Okay, for $10, for 10 euros? Johnny Hallyday. He's the best. Johnny Hallyday is the finest human being on the planet. L'élève, il est le maître quand même. C'est quand même Johnny, c'est la star, c'est une légende, c'est une institution, c'est le monsieur chanson rock'n'roll de la chanson française. Sa principale qualité, c'est qu'il ça, peut-être on ne sait pas beaucoup, mais c'est un gentil garçon. Un gentil garçon. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts. En 45 ans de carrière, tout a été dit et écrit concernant Johnny. Stéphane Fraisse, qui a joué à ses côtés, a surtout été impressionné par sa simplicité. Johnny, il prête le flanc à une critique facile. La critique veut le rendre simpliste, alors qu'il est simple. Et quand on écoute Johnny, on découvre que cette simplicité, elle est faite d'une énorme sensibilité sur les gens qui t'entourent, sur le monde. Il a un regard encore au plus noble sens du terme enfantin. C'est-à-dire qu'il attend beaucoup. Il espère beaucoup que les gens lui donneront ce que lui a besoin de donner. Johnny cultive les paradoxes. Il est sensible alors que dans le film, il aime à jouer le rôle d'un gros bras. Regardez cette scène. C'est la dernière du tournage pour Johnny. Il aura du mal à cacher son émotion. Another historic moment in the shooting of our film. Clap for Jojo. Un homme sensible et émotif que Johnny préfère cacher par une pirouette de rocker. Qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mon bébé, que le mignon. Parmi les points communs qu'on a, Johnny et moi, il y a les animaux. Oh, le gars. Voilà. Quand je vais voir Johnny le samedi matin, je suis accueilli par une énorme bête à poils blanches et la mienne rince dans la voiture terrorisée. Tu sais, quand je laisse ma voiture chez toi, elle veut pas descendre. Et ouais. Elle a peur de ton gros chien. Ah ouais. Ouais. Le gentil. Le gros chien en question, c'est Isaac. Il y a aussi Toby et Lucas. Des chiens comme les autres avec un maître, pas tout à fait comme Toby, les autres. Ici. Toby.
Comme des millions de gens, Johnny aime les chiens et il ne s'en cache pas. Certains ricaneront, Johnny s'en fout. Les chiens et lui, c'est une vieille histoire. On fera rien des chiens. En concert comme en vacances, depuis l'âge de 14 ans, ces chiens ne le quittent pas. À tel point qu'ils font partie de l'image de Johnny. Le plus jeune de la bande, c'est Toby. Mais lui, il a 7 mois, mais il a eu un petit accident. Il avait de l'arthrose, alors il a fallu l'opérer des couilles. Il n'a pas le droit de jouer avec Isaac, il doit être au repos. Et il passe son temps à essayer de jouer avec lui. Et c'est difficile de l'en empêcher. Toby, non, non. Mais il y a encore plus difficile, empêcher Johnny de jouer avec Toby. Doucement avec, doucement, il est pas trop là. Il est pas trop fort. Toby, allez. Avec Toby, c'est une drôle d'histoire, celle d'un coup de cœur partagé au détour d'un refuge de Montauban. Il y a 4 mois, lui, Toby, il était aussi petit que le Lucas, le petit blanc, là. Dis bonjour. Toby, un Rottweiler étonnant qui bouscule les idées reçues. Ben, les gens disent toujours que les Rottweilers, c'est des chiens méchants et tout ça, ce qui est complètement faux. Les chiens, il n'y a pas de chiens méchants. C'est comme les gens, hein. Des fois, ils ont leur caractère. Mais les Rottweilers, tout dépend comment leur mettre les élèves. Quand on les élève gentiment, à être gentils, bon, ils sont gentils, c'est des chiens gentils. Si les gens les élèvent à être méchants, ils sont méchants, bon. Nous, on n'en fait pas des chiens méchants, nous. On a un Rottweiler, c'est un caniche. Lucas a 8 ans et Isaac a 4 ans. Voilà. Isaac, viens. Isaac a été offert à Laetitia par Kiki Olgado. C'est vieux, mon amour. Vous avez toujours eu des chiens? Oui, toujours. J'adore les chiens. Les chiens sont des êtres qui ne vous demandent rien, à part de l'affection. Les plus fidèles. Ils ne vous tromperont jamais. Et ils vous aiment. Tout simplement. On avait un petit rot avant. J'avais un cancer du cerveau. Puis qui est mort très jeune. Il avait quel âge, Rocky, quand il est mort? Rocky avait 9 mois. 9 mois, oui. 2 mois de plus que lui. Alors on l'a enterré là dans le jardin avec notre Malinois qui lui est mort de vieillesse par contre. Flash, oui. Flash, le Malinois, le vieux compagnon, 12 ans de complicité. Flash, de tous les concerts, de tous les voyages, jusqu'au bout. C'est vrai, on s'attache aux chiens. Bon, c'est vrai que quand on en perd un, c'est comme on perd quelqu'un de la famille, quoi. Ils ont vécu avec nous toute leur vie. On les a eus petits, on les voit grandir. Et puis, un animal, ça ne vit pas aussi longtemps que nous. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de mal quand il nous quitte. Désormais, c'est Toby qui accompagne Johnny partout, aussi bien dans les bureaux de production que sur les plateaux télé. Moi, je sais que je pourrais pas vivre sans chien. Ils s'en foutent de Johnny. Ils m'aiment moi pour moi. Et avec Johnny, il y a toujours des surprises. Même quand il part à l'étranger, son chien et lui ne se quittent pas. Là, tu vois, regarde, sur mon téléphone, ça c'est mon chien, c'est mon Toby. Nous sommes aux portes de Paris, dans un quartier d'affaires à Boulogne. Une voiture de gros cylindrée vient d'arriver. Johnny, entouré de sa garde rapprochée, vient rejoindre une des personnes les plus importantes de sa vie. Comme à chacun de ses déplacements, l'apparition de la star est toujours très remarquée. Bonjour. Ça va, Jean, merci. Je suis très émue de vous rencontrer. Joël est une fan depuis toujours, Johnny l'a compris. Voilà, on s'est rencontrés là. Johnny, Joël. Donc combien de concerts, ou je sais pas, de disques ou de... Presque tous les concerts et tous les disques, hein, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Joël regagne son bureau, quelque peu troublé.
c'est le cœur qui... On pourrait se lever mal après, pareil. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de badge pour retourner mon bureau. Les portes de l'ascenseur se referment direction le 11e étage. Là-haut, Johnny va retrouver d'autres personnalités comme David Douillet, le judoka, ou encore le footballeur Franck Leboeuf. Mais si Johnny est venu aujourd'hui, c'est pour une seule personne, David, son fils. David, son ange blond comme il aime l'appeler. Derrière toute la tendresse et la fierté du père pour son fils, se cachent certaines blessures, celles du passé. David Michael Benjamin voit le jour le 14 août 1966 à Boulogne. Le plus fort de tous. Combien fait-il? Combien pèse-t-il? 3,50 kg. Alors le prénom, c'est donc David. Malgré sa joie immense, Johnny ne verra pas grandir David. Ses absences répétées, ses longues tournées et l'amour pour ses fans l'empêcheront de tenir le plus grand rôle de sa vie, celui de père. C'est quand arrive l'adolescence de David que les deux hommes vont enfin se rapprocher et apprendre à se connaître. Ce métier qui les a longtemps séparés va finir par les réunir. C'est en musique qu'ils vont enfin apprendre à s'aimer. T'aime, ma femme t'aime, mes amis t'aiment, on t'aime tous. Les mots d'amour d'un père, mais aussi ses angoisses. Mais tu sais, le problème, c'est que quand il prend le volant, on a tous peur pour lui. Eh oui. Mais si c'est du cinéma, c'est moins dangereux. Ouais, ça dépend. Aujourd'hui, David et Johnny sont réunis et les journalistes ne ratent pas l'événement. Rares sont les moments où père et fils s'affichent côte à côte sous l'objectif des photographes. La raison officielle de leur rencontre, c'est la présentation à la presse de la nouvelle voiture de l'écurie de David. Le fils pilote, le père parraine. Où est David? Where is David? Mais où est David? C'est bon? 1, 2, 3. Le rock'n'roll et les voitures, deux passions que Johnny partage avec David. Comme lui, Johnny est fou des voitures de course et il ne peut s'empêcher de tourner autour du nouveau jouet de son fils. L'envie est trop forte. Johnny s'installe aux commandes. La vitesse, Johnny en raffole. S'il y a quelques instants, il reprochait à son fils de rouler trop vite, c'est parce que lui aussi, à son âge, il prenait tous les risques. Alors ça, c'est une course de côte. Oui. Tu la trouves difficile? C'est dire que je la connais pas encore bien, alors. Il y a des gravillons et ça tient pas terrible, mais ça va aller. Pas bien en deuxième prix, il faut pas. Tel père, tel fils. C'est la première. Oui. Après, tu déjeunes. 2, 3, 4, 5. Je vois dans les regards de la complicité et je vois de l'amour dans lequel il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin d'histoire, il n'y a pas besoin de tout ça. La relation, elle est là et elle est forte. Ils ont su rester famille malgré cette grande notoriété. Pour moi, ils sont quand même l'exemple type d'une réussite tant au niveau du travail qu'au niveau de la famille. Donc pour tout ça, je les félicite. À force d'avoir échangé leur silence pendant plusieurs années, les deux hommes semblent aujourd'hui vouloir rattraper le temps perdu. Johnny aime son fils et lui montre. Musique, rallye automobile, bien au-delà de toutes ses passions communes,
David marche désormais sur les traces de son père qu'il admire tant. Quand il s'agit de cinéma, le fan, c'est Johnny. Chez lui, il s'est fait construire une véritable salle de projection. Il fallait quand même ça. C'est la pièce où il passe le plus de temps. Tous les soirs, il regarde deux ou trois films. Une passion à la démesure de sa collection de DVD. Il y en a pour tous les goûts. Films d'action, western, comédie, sans oublier les grands classiques en noir et blanc ou en couleur. Pour Johnny, le cinéma, c'est comme un rêve de gosse. Un rêve qu'il réalise avant de devenir l'idole des jeunes. À 10 ans déjà, il joue dans Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Un tout petit rôle, mais regardez bien sur cette photo, il pose à côté d'une immense actrice, Simone Signoret. Premier rôle, première vie d'acteur, Johnny a tout juste 17 ans quand il débute au cinéma. Il est le jeune premier qu'on s'arrache, mais à l'époque, c'est d'abord le chanteur que l'on filme. Les talents d'acteur de Johnny ne sont pas vraiment sollicités. Les réalisateurs cherchent d'abord à profiter de sa célébrité. Mais pour Johnny, déjà cinéma et chanson sont indissociables. Pour moi, le cinéma, je crois que c'était une évolution dans ma carrière. Et en plus de ça, ça tombe bien parce que j'aime beaucoup le cinéma. En plus de ça, ça m'aidera pour la chanson, certainement. Car en fin de compte, on dit le cinéma, la chanson, c'est différent. Je crois quand même que pour interpréter une chanson sur scène, une chanson dramatique ou une chanson gay, il faut quand même... Bien sûr, on la chante, on la dit pas, mais il faut quand même la jouer. C'est-à-dire, c'est quand même ça a rapport avec la comédie. Des années après... Quand Johnny parle cinéma, il surprend toujours son entourage. Attends, je n'arrête pas de faire des télés pour mon métier de chanteur, pour des trucs où je me casse la tête. J'essaie d'être beau, j'essaie de faire du rock'n'roll et tout. Je transpire et tout. Bon, je passe des heures. Et on me dit rien. Je fais un truc où je fais pendant trois quarts d'heure où je parle. Et où je parle de mes envies de cinéma et des films que j'aime, etc. Et le lendemain, j'ai 45 coups de téléphone en me disant « Oh, c'était formidable, j'ai pas chanté, j'adore la musique. » Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai fait de la musique pour payer des cours de comédie, que je voulais être acteur. Je ne pensais pas être chanteur. C'est vraiment venu, c'est le hasard de la vie. Vraiment. Et le hasard de la vie a bien fait les choses. Johnny a tourné avec les plus grandes actrices. Catherine Deneuve, Nathalie Baye ou Fanny Ardant. Il a donné la réplique à Robert Hossein, Jean Rochefort, Claude Brasseur. Mais sur sa carrière cinématographique, il porte un regard lucide et même parfois critique. Tu sais, dans une carrière, on fait toujours plein de choses qu'on n'a pas aimé. Tu sais, moi, Harvey Keitel, qui pour moi est un des grands acteurs américains, comme De Niro, etc. Mais moi, j'ai vu des films de Niro, j'ai vu des films d'Harvey Keitel, où ils ont fait des navets aussi. Non, on a tous des casseroles au cul. Mais on se rappelle des bons films. 1984, l'événement cinématographique de l'année, c'est Jean-Luc Godard qui dirige Johnny Hallyday dans Détective. Incroyable rencontre entre le chanteur populaire et l'intello de la nouvelle vague. Sur scène, il faut être Johnny Hallyday, il faut aller sur scène, on a ses musiciens et puis on interprète les chansons que les gens connaissent. Au cinéma, il faut essayer d'être le personnage, il faut oublier d'être Johnny Hallyday. Johnny Barr avait quelque chose de très bien, quelque chose qui me plaisait, c'est qu'il écoutait le son après. Il n'y a aucun acteur en France qui écoute le son. Ça, c'était quelque chose qui était très bien et que ça valait le coup. Ça vient de la musique, ça. Sur le tournage de Conseil de famille, le réalisateur Costa Gavras est lui aussi séduit. Johnny, c'est un personnage timide, cette espèce de force extraordinaire qu'on voit sur scène. Tout d'un coup, dans la vie quotidienne, c'est un personnage très calme, très timide, très réservé, très attentif. Et pour Johnny, le cinéma, c'est aussi une vieille blessure. Maintenant, j'ai analysé cette envie d'acteur que j'ai toujours voulu être. C'est parce que mon père était acteur. Un jour, Serge Reggiani me dit « Je vous aime beaucoup, je connais très bien votre père. » Il dit « Vous savez, je sais que vous avez un a priori contre votre père, mais c'est un homme formidable. Et je ne savais pas que c'était un grand acteur. » Et maintenant, je me dis « Peut-être que si ce désir que j'ai au fond de moi, vraiment, de vouloir être acteur, c'est peut-être qu'involontairement, c'est parce que mon père était acteur. » En 2002, la profession lui rend enfin hommage. Il décroche le prix Jean Gabin pour L'homme du train de Patrice Lecomte. Sur le tournage du film, c'est avec un plaisir presque enfantin qu'il se jette dans les prises les plus difficiles. Bon, cadrez bien parce que je le fais qu'une fois. Même devant la caméra, Johnny n'oublie pas qu'il est une bête de scène et le public apprécie. Dieu, moi qui vous ai jamais fait de mal. J'ai toujours voulu le bien. Faites que je m'en sorte encore une fois. Une seule fois. Après, j'arrête. Attention, silence.
Les enfants peuvent se boucher les oreilles. Attention, c'est très fort. Attention, ça tourne. Ça va, ce coup-là? Ouais. C'est bien? Bon. Même avec ça. Ben non. C'est vrai? Plus bien, je crois. Ben, si on vous faisait payer le ticket, on serait riche. Hein. On meurt, tout le monde est content. Mais après chaque film, Johnny ressuscite sur scène. Il reprend le rôle qu'il connaît le mieux, celui de chanteur. Et ça, c'est pas du cinéma. Paris, Parc des Princes. C'est ici que dans moins de 6 semaines, Johnny fêtera ses 60 ans. Mais avant cela, il y a du boulot. Sont présents à La Réunion le producteur de Johnny, le réalisateur du spectacle, et Jimmy, le responsable de la sécurité. Bref, tout le monde est là. Et devant l'ampleur de la tâche, il va falloir des réserves de café. Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny, envisage déjà les soucis, mais avec le sourire. Le moindre incident dans le spectacle, les bracelets, s'il vous plaît. Vous auriez pu être dans la même série. Une équipe de 100 personnes, 5 jours pour monter le décor, 90 semi-remorques pour le transporter. Bref, il y a quelques détails à régler. Tout le monde est là, pas vraiment. Johnny, pour l'instant, n'est pas là parce qu'on va pas l'encombrer avec ces choses-là. Ce que je lui conseille, moi, pour se relaxer parce que les répétitions commencent, c'est de faire une bonne partie de cartes avec ses copains et après, il aura l'esprit du tout. Pas de doute, Jean-Claude Camus connaît son Johnny sur le bout des doigts. Le premier de nous deux qui fait un grand gin double. Attends, combien je t'en ai fait la dernière fois? Quelques-uns. Je t'en ai fait 7 sur une partie. Et oui. Au programme de cette réunion particulière, Gin Rami, avec son pote Marc Franceley. Si tu gagnes cette partie, je veux bien me faire moine. Ah ouais? Mais c'est pas aujourd'hui que je te proposerai fraîche. Hein. Je te dis tout de suite. Là, on va se péter ça vite fait. On ne plaisante pas avec le Gin Rami. Johnny est très concentré, pas vraiment bavard. C'est une des cartes que je ne pouvais même pas espérer en rêve. Johnny, c'est pas quelqu'un qui a besoin de parler tout le temps, parce qu'il connaît tout, toute la vie. Il a une vie tellement extraordinaire, tellement fabuleuse, que qu'est-ce que tu veux qu'on parle toute la journée? Et donc, en fait, si tu veux, de temps en temps... Ouais, c'est bon, de temps en temps, on est bien. On n'a pas besoin de... Le silence est bien dans une partie de cartes. Je vois même pas comment je peux perdre cette partie. Bon, c'est sûr. Je me demande d'ailleurs comment tu pourrais la perdre. Mmh. On a du mal à imaginer en voyant ce joueur attentif, presque raisonnable, que dans une autre vie, Johnny a côtoyé le démon du jeu. Que ça ne sert à rien. J'ai été très joueur. Et un jour, je suis parti en tournée pendant... C'est à l'époque où je faisais des tournées plus longues que maintenant. J'avais fait 6 mois de tournée et le désastre, c'est qu'on a fini à Deauville, la tournée. Donc évidemment, après spectacle, on a été dîner et j'ai été jouer au casino de Deauville. Et en 3 heures de temps, j'ai perdu tout l'argent que j'avais gagné en tournée depuis 6 mois. Et ça m'a tellement dégoûté que ce soir-là, je me suis fait interdire. Dis. Oh. Comment est-ce qui t'arrive? C'est toute ta vie, ça. Le cul. Même 3 points, j'ai... Et quand Johnny gagne, c'est bien sûr en toute modestie. Lui, il a une benne de cocu. Moi, non. Moi, je joue bien, tout simplement. Pendant ce temps-là, au Parc des Princes, les heures ont passé. Cette réunion, la première d'une longue série, touche à sa fin. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Rompez les rangs. Le réalisateur Gérard Pulicino et le producteur Jean-Claude Camus, une poignée de main pour deux hommes qui se respectent. Ah, c'est une vieille histoire. Ouais. Gérard, c'est quelqu'un, je ne voudrais pas faire une retransmission sur les artistes que j'aime sans que ce soit lui. Oh, c'est gentil, je dirais que c'est réciproque. C'est un monsieur qui a fait un travail génial plusieurs fois, mais la Tour Eiffel, il fallait un maître pour le faire. Merci. Ce qui a été rendu, voilà. Je suis rouge, non? Et je le pense. Merci, en plus, tu le sais, c'est un plaisir de travailler. J'ai pas l'habitude de dire des choses que je ne pense pas. Bon, ben, je suis ému, je m'en vais. Au revoir. À bientôt.
À quelle heure vous avez commencé à jouer? Depuis plus d'une heure et demie? L'autre conférence au sommet, elle, se poursuit et un soutien logistique arrive. Qu'est-ce que ça fait? Lise. Tu vas pas te laisser faire, maman? C'est parce que je suis là. Ouais. J'ai porté de l'air. Qu'est-ce qu'il était bon, le petit sandwich, je vous a fait. Merci. Voilà. Une journée bien remplie. Ça te fait marrer, toi. Paris, pavillon Gabriel. Il est 14h, c'est le début de l'enregistrement de l'émission de Michel Drucker. Johnny Hallyday rejoint Sacha Distel. Un étage plus haut, les couloirs sont déserts. Enfin presque. Dans la loge de Johnny Hallyday, deux hommes s'affairent. Là, on se prépare, on se met en place pour les essayages avec Johnny. Et puis, voilà, en espérant qu'il va redescendre du plateau assez rapidement. Philippe Rouquier est le réalisateur du prochain film de Johnny. Il a rendez-vous ici pour lui présenter les costumes du personnage. Pourquoi vous venez ici pour faire ça? Parce que Johnny est pris tout le temps, tout le temps, tout le temps. 15h, fin de la première partie de l'enregistrement. Si le couloir était vide tout à l'heure, maintenant c'est l'affluence des grands jours. Il faut dire que la star profite de chaque instant entre deux prises pour recevoir ses rendez-vous. Dans la loge, Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny, a été le plus rapide. Il doit faire valider les passes VIP des prochains concerts. Ça, c'est ton roadbook, dont serait extrait le pass. Et donc, derrière, nous aurons marqué Johnny Hallyday. Ça peut être dans cette matière-là, ça peut être un truc assez chic aussi, en cuir. À quelques mètres de là, les deux hommes prennent leur mal en patience. Aujourd'hui, approcher Johnny, ça se mérite. D'autant qu'il faut attendre une petite photo avec Sacha Distel. 16h, ça fait 2 heures que Philippe Rouquier attend, alors il tente une percée pour approcher Johnny. Tu veux que Johnny? Bon, bah d'accord. Raté. Ce ne sera pas pour tout de suite, il va falloir attendre encore 1 heure. Résultat, notre réalisateur a tout le temps de nous parler du rôle de Johnny. On cherche en ce moment, il métamorphose un peu sa voix, il a une voix un peu cassée, quoi. Le mec qui a pris des coups, qui a trop fumé et tout. Il veut pas la voix de Johnny Hallyday, il veut pas le visage de Johnny Hallyday, il veut pas la voix de Johnny Hallyday. Donc il a une voix cassée comme ça. Et la première lecture, c'est le personnage. Personne ne me cherchait, moi. Personne m'a envoyé un colis. Quand je suis sorti, personne n'a gardé ma peur. Ah mais c'est de ta faute, hein. On l'a compris, Johnny a peu de temps de libre. Alors pour répéter, il n'hésite pas à inviter l'équipe du film chez lui. Lecture des dialogues dans une ambiance presque familiale mais studieuse, en compagnie de Mathilde Seigné et de Paul Belmondo. Johnny est très bon élève dans le comportement. Au moment de faire la lecture, on s'assoit à la table et je lui dis « Bon, bah là, c'est très lent, toi, t'es très lent, etc. » Et bon, je dis « Allez-y. » Et puis rien ne se passe. Au bout de 15 secondes, je dis « Vas-y, c'est à toi. » Et là, tu m'as dit que c'était lent, non? Imagine qu'on soit en voiture, on va pas parler comme dans ça, une comme caisse, on est ici, on est dans une caisse, on va parler. Non, puis il y a l'attente, il y a tout ça qui va jouer. Et puis. Là, il a repris ses 10-15 secondes de pause, et puis il a dit sa réplique, et tout le monde s'est calé sur ce rythme. Tu réponds pas. Tout le monde se cale sur son rythme, enfin presque. L'incident est clos, on peut reprendre. Tout ça, c'est rien parce que tu l'aimes. Non! Non! Tu me butais, ce fils de pute, t'en fous combien? Non, non, j'avais pas fait. Non, ah, pardon, excuse-moi. C'est excuse-moi. Il y a la police qui va arriver, ils nous prennent pour des fous. S'il y a bien quelque chose de fou, c'est le pari de Philippe Rouquier. Il fallait oser défigurer la star, lui faire une nouvelle tête pour incarner ce personnage d'ancien boxeur devenu gangster. Johnny n'hésite pas à se mettre en danger, un faux nez, une balafre sur l'œil et surtout, beaucoup de patience. On l'assoit sur une chaise et puis on lui demande de rester tranquille pendant... là, les derniers essais, c'était 3h, je crois, 3h, 3h30. Et il l'a fait, bien sûr, il l'a fait. 17h. Et au compteur, 3 heures d'attente. Mais cette fois, c'est la bonne. Philippe Rouquier en profite. Séquence cabine d'essayage. Objectif, définir le style vestimentaire du héros. On voit si on voit les formes et puis les silhouettes. Et après, on recrée.
Après une demi-journée de patience, ils n'ont qu'un quart d'heure à peine pour habiller Johnny. Mais une fois encore, celui-ci a une idée très précise de ce qu'il veut. Ce que je me disais, c'est qu'ils avaient une idée. C'est trop mode. Ça va. Non, mais c'est pas trop le genre. Tu préfères un col chemise, quoi. Ouais. L'essayage continue et les combinaisons sont audacieuses. Enfin là, il faut vraiment aimer les carreaux. Rassurez-vous, ce n'est qu'un essai. Merci Johnny. 18h. Après une après-midi bien remplie, l'émission se termine enfin. Mais il en faut un peu plus à Johnny pour perdre le sens de l'humour. Oh, la belle vie. Les gens avec qui on va te faire chanter, je vois ça. Que me fait faire Jean-Claude Camus. Oh, cette belle vie insensée, épuisante, innocente. Chez les Hallyday, on ne mange pas tous les jours au resto. Voilà la bête. C'est un bar de lignes. Je vais le cuisiner en croûte de sel. Johnny adore. Avant chaque spectacle, Johnny se remet en forme et il a besoin d'un régime pour retrouver toute son énergie. C'est important pour lui retrouver la forme, pouvoir tenir 2 heures sur scène, 2h30, 3 heures. Parfois, je le suis, mais parfois je mange en cachette, mais il ne faut pas lui dire. C'est promis, on ne dira rien à Johnny. De toute façon, pour l'heure, il est très occupé. Direction le sous-sol, un couloir plus loin et quelques souvenirs au mur. Voilà une salle de musculation digne d'une super production. À presque 60 ans, Johnny fait des exercices, régulièrement. Une bonne manière de préparer la série de concerts de l'été. J'en fais pas régulièrement, tous les jours. J'en fais par période de 3-4 mois. Surtout quand je prépare un spectacle ou que je prépare un film. Je m'entraîne 2-3 mois à l'avance. Pour s'entraîner, rien de tel qu'un bon copain comme Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul Belmondo. Paul vient assez régulièrement, il doit tenir ça de son père. Ça aide à deux parce que comme ça on travaille, on fait les exercices à tour de rôle et c'est moins ennuyeux. Tout seul, c'est un peu ennuyeux. Impressionnant. Laetitia, elle, a déjà rendu les armes. C'est trop dur pour moi. Pour les hommes, ça. Trop physique. Côté physique, Johnny est une bête de scène et un casse-cou aussi. Et c'est... Bon. J'ai fait les épaules hier, moi. J'ai mal aux épaules. Toujours mal à l'épaule. Je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps. J'ai fait des tonneaux... Ça fait plus de 40 ans que Johnny fait de la musculation, alors si vous êtes amateur, voici quelques conseils. Il faut toujours travailler un gros muscle et un petit muscle. Ça, c'est pour prendre du muscle. Pour s'entretenir, il faut faire un petit circuit. C'est simple. Il n'y a rien de plus simple. Même moi, j'y arrive. Ah, si c'est Johnny qui le dit. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Après le sport, le réconfort, direction l'autre lieu sacré de la maison. Au rez-de-chaussée, c'est un autre genre d'exercice qui occupe Laetitia pour la bonne cause. Johnny, c'est un fin gourmet, puis on a beaucoup d'amis, des grands chefs qui sont nos amis. On passe beaucoup de temps dans les cuisines aussi. Chez Marc Vera, je suis plus souvent en cuisine que dans ma chambre. Marc Vera, un grand chef, un grand copain de Johnny. Oh, ils sont bons. Ça, c'est du vrai pain. Quand l'idole du rock rencontre l'idole des cuisines, on ne se prive pas. Mais de retour à la maison, Johnny a ses recettes bien à lui. Je fais des salsas mauriciennes. Alors ça, c'est piment, frais. Et c'est très, très fort. Et Johnny met ça sur toutes ses préparations. Petite inspection des travaux presque finis. Ça m'a mon cœur. Alors, la cuisinière ? Johnny est très intéressé. Moi, j'aime bien manger, oui. J'aime bien manger. Mais malheureusement, j'aime bien manger tout ce qu'il ne faut pas manger, quoi. Bon, mais donc, je m'abstiens de ça. Moi, j'adore manger les cassoulets, les hamburgers avec plein de sauce dedans. Ouais. Bon, ben, tout ça, je n'en mange pas, quoi. Enfin, une fois de temps en temps pour me faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux faire, là ?
Là, je coupe des petits radis pour les mettre dans la salade. Ah, on est loin des hamburgers et du cassoulet. Mais si Johnny ne cuisine pas, il aide. Un peu. Merci, maman. Voilà, il y a de la tête qui sort. Alors ça, par exemple, j'y touche pas. Ça, c'est un gâteau. Ça, c'est de la... Non, c'est une quiche, ça. C'est une quiche au fromage. Et ça, tu touches pas. Interdit. Ah, promesse de Johnny ou pas, la gourmandise est la plus forte. Il faut dire que l'estomac a ses raisons que la raison ne connaît pas. Résultat, 2 heures de sport ruinées en quelques coups de fourchette. Voilà. Mais oui, mais bon, ça a l'air bon, hein. Je vous dire. C'est excellent. Vous avez vu, j'en ai pris quand même beaucoup moins que les autres. Je prends un peu plus d'abdominaux. Demain matin, tu vois. Effectivement, il va falloir bosser. Le temps peut-être de méditer cette phrase. Il faut savoir résister à tout, sauf à la tentation. 9h du matin, Paris, Montparnasse. Johnny se rend sur un chantier, celui d'un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Dans quelques mois, s'élèvera ici la plus grande discothèque de Paris, la réplique exacte de celle où il a rencontré Laetitia à Miami. Ça va ? Bonjour, monsieur Johnny. Ça va ? Ça va vous-même ? Ça va ? Bonjour, monsieur Johnny. Ça va ? Ça avance, c'est pas vous, hein ? Oui, c'est bien, ça... On va finir par faire quelque chose avec ça, hein ? Avec de la passe qu'il y a, hein ? Avec la passe qu'il y a. Si on a du retard... Et vous, c'est ? Joachim. Joachim. Et si on a des retards, ce sera à cause de Pascal. Ah, c'est votre faute ? Bah, c'est lui le responsable. On ouvre dans 15 jours. Hein. On va vous donner encore du boulot. Je ne veux pas vous décourager, mais... Non, il y a encore du travail. Il y a du boulot pour les ouvriers, mais aussi pour les financiers qu'il faut convaincre. Et pour ça, Johnny a une arme secrète, Toby. C'est Toby. Toby, on a de l'argent, hein. D'accord, hein. Oui. Alors là, ça paraît vide, hein. Bien sûr, il faut penser ça avec des gradins. Tout ça, ça va être couvert, cassé. On va avoir le barreau dessus. C'est vrai, comme ça paraît bizarre, parce qu'il faut avoir l'imagination. Hein. Non, c'est un bel endroit, hein. C'est un volume exceptionnel à Paris. Vous savez, à Paris, de trouver un endroit comme ça, avec une hauteur de plafond comme ça... Très volumique. C'est unique, hein. Ah. André, je vous appelle, moi. Monsieur, très heureux. Merci. Voilà, la réunion se termine, mais avec Johnny, quand on sort les cartes de visite, ce n'est pas pour les échanger. C'est pour les autographes. Jean-Michel. Je pense qu'on est très vite. Ouais, mais vous voyez, je vais vous demander pour mon petit voisin, pour Lucien. S'adresser à Jean-Michel. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Est-ce que moi, je peux vous faire une bise ? Merci. Ah, oui. Ok, on fait comme ça, donc on appelle monsieur. Ouais, moi, je n'en ai pas demandé. Non, mais c'est pour moi. Lucien est ravi. En attendant Lucien, il y en a d'autres qui sont ravis. Il est formidable. J'aurais aimé l'entendre chanter. Après finance, on parle déco, avec le futur patron des lieux qui n'est autre que le père de Laetitia. En famille, on n'hésite pas à se dire les choses vraiment. Mais on ne peut pas à l'intérieur. Tu veux faire une cascade à l'intérieur ? Comment ça, tu ne peux pas ? Attends, moi, l'amnésia sans cascade, c'est pas possible. Mais ouais, mais ça pose des problèmes de... Ah, mais ça, je m'en fous. De désembuage, de... Ah non, mais ça, je m'en fous. Il faut trouver la solution. On va pas faire un truc cheap à Paris, alors que c'était génial à Miami. Ben ouais, mais c'est génial partout, mais simplement, c'est pas les mêmes conditions. Je m'en fous combien ça coûte. Je veux que les gens soient contents. Pour le moment, c'est Johnny qui n'est pas content. Il est pressé de régler toutes ses affaires. Il ne lui reste que quelques heures avant son départ pour Los Angeles, où il va répéter ses prochains concerts. Alors il ne faut pas traîner. Direction son restaurant, où ses amis l'attendent pour déjeuner. Le restaurant, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire conviviale, c'est un endroit où je me retrouve souvent, plutôt que d'aller chez les autres, chez moi. Et puis c'est un endroit où je reçois mes amis, surtout. Toujours sympa d'avoir un point de chute. Attendez, parce que tu croyais sérieusement que j'allais t'engueuler au téléphone. Oui. Non, bah non. Alors maintenant, je sais qu'il a beaucoup d'humour, il adore rigoler, mais il faut pas le titiller. Il veut pas le titiller. C'est un peu soupe au lait. Tout quand il est avec ses enfants. Ah, voilà ce que tu m'as dit. Je suis soupe au lait. Oui, c'est ça. Tu me l'as dit. Ah, mais je sais. Ouais. T'as ri au lait aussi, mais c'est un peu plus. Ah, mais il y a courbouillon. Ouais. Quatre. Fin du repas, retour aux affaires.
Enfin gourmet et en patron avisé, Johnny tient à tester personnellement les nouveaux plats de la carte de son restaurant. Ça, j'ai goûté tout à l'heure. C'est succulent. Alors explique-moi ça. Alors ça, c'est les asperges vertes. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu gardes ça et à côté, tu mets un petit pot avec une hot sauce. Si les gens aiment, ils peuvent tremper leur asperge dedans. Bien sûr. Comme ça, tout le monde est content, quoi. D'abord, j'ai quand même goûté ta sauce. Là. C'est pas ça, l'employade. Hein, j'aimerais... Puis je viens de manger, alors je ne veux pas remanger une deuxième fois. Non, mais c'est pour te dire ce qu'on veut changer non, mais ça, sur la carte. Bon. Voilà. Ça, c'est très bon. On va le mettre sur la carte. Ça, c'est voilà. Excellent. Ça, je ne l'ai pas encore goûté. Ça, je connais, c'est parfait. Ouais, ça, si. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est merveilleux, ça, il n'y a rien à changer. Hein. D'accord. Bon, ouais. Yann, tu es un bon chef. C'est le meilleur, mon Yann. Absolument. Le déjeuner et les nouveaux plats ont mis Johnny de bonne humeur. De retour sur le site de la future discothèque, une autre bonne surprise l'attend. Comme à Miami. Je vais te faire voir. C'est ouais. Un peu différent, mais tu auras une cascade à l'intérieur. D'accord. Donc on a refait les plats, on a vu les trucs et tout. Okay. Je vais te faire voir. Donc la façade, je vais te faire voir un petit peu. Donc ça c'est la façade. Voilà. Ça c'est la façade qui est là. Ça c'est ce qui sort ici. Voilà. Donc on t'a rajouté une cascade à l'extérieur aussi. D'accord. Ça c'est bien. Voilà. Et après l'intérieur donc en coupe, tu auras une cascade. Donc ça c'est un mur d'eau comme avec comme la tête. Avec la tête comme à Miami. D'accord. Comme, voilà. Ça c'est génial ça. Voilà. C'est un cachet. Tac. C'est la cascade et la tête. Tu as raison, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, techniquement, à chaque fois, il y a des obstacles qu'on peut pas. Mais t'as toujours en train de chercher midi à 14h. Tout est possible. Tout est possible. Même en France. Ouais. Écoute, en tout cas, on y est arrivé. Imagine que je fasse un spectacle avec peu de lumière, avec peu de décor, dans un Parc des Princes. Les gens vont être déçus. Les gens sont heureux. Pourquoi? Parce que. Je leur donne un beau spectacle. Ça me coûte plus d'argent que si je faisais rien. Mais effectivement, les gens sont heureux. C'est quoi le principal? C'est que les gens soient heureux. Et bien ici, c'est la même chose. Johnny est soulagé. Demain matin, il s'envole pour la Californie, les problèmes réglés. Dans 48 heures à peine, les répétitions commencent. C'est le jour de grand départ. Direction l'aéroport, Johnny s'envole pour Los Angeles. Dans la voiture, il ne parle pas, il est déjà concentré. À moins d'un mois du début de sa série de concerts, s'il part, ce n'est pas vraiment pour prendre des vacances. Je pars à Los Angeles parce que ça prend du temps de répéter un spectacle. Musicalement, on n'est pas content, on recommence, on réécrit des nouvelles orchestrations. À Paris, j'aurai toujours quelque chose d'autre à faire en plus. Moi, j'ai besoin de me concentrer. Et si je ne suis pas tout seul, je n'y arrive pas. Pour être seul, il faut partir loin. 12 000 km entre Paris et Los Angeles, mais surtout entre Johnny et Laetitia. Un seul être vous manque? C'est un terrible manque, mais on a besoin de ces moments-là. Et je pars déjà dans 10 jours, donc c'est pas. C'est sûr que le soir, c'est un peu dur quoi, de se retrouver toute seule. Ma femme va me manquer pendant 3 semaines, mais c'est comme des sportifs, quand ils préparent un match, que ce soit des boxeurs ou des footballeurs, ils ne partent pas tous s'entraîner avec leur femme pour se préparer. Donc il faut faire la part des choses. Avant d'embarquer pour son exil californien, Johnny doit passer par Roissy, comme tout le monde. Mais voilà, Johnny n'est décidément pas un passager ordinaire. Alors le comité d'accueil est à la mesure de la star, hôtesse personnelle, garde du corps et même service de sécurité de l'aéroport. En revanche, pour les formalités, pas de régime de faveur. Même quand on s'appelle Johnny, il faut sortir son passeport et l'on a droit à la fouille, comme tout le monde. L'angoisse de l'avion n'est pas une circonstance atténuante. Je prends très mal l'avion, c'est-à-dire que je suis angoissé à l'avion. Mais ça, ce sont des angoisses qui ne se contrôlent pas. Pendant très longtemps, chaque fois que je prenais l'avion, j'avais des gouttes de sueur qui tombaient de mes mains. Mais j'avais les mains, j'avais de l'eau qui coulait, tellement j'étais pas bien, pas bien. Maintenant, ça va. Ce qui m'a un peu désangoissé, c'est d'avoir appris à piloter. Le remède n'est pas à la portée de tout le monde, mais pour vaincre son angoisse, Johnny a décidé de s'offrir des cours de pilotage. Et même son propre jet. Moi, j'ai beaucoup moins peur dans un petit avion.
ou un jet que dans un grand avion où on est derrière, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai que si on est dans le cockpit et qu'on est avec les pilotes, on n'a plus peur du tout. Aujourd'hui, pas de jet, mais un avion de ligne ordinaire. T'es avec moi ? J'aimerais bien. Je vais sur ma chemin. Regards ébahis des passagers, mais surprise aussi de Johnny quand il croise des employés de l'aéroport portant des masques. Ouais, il me fait peur. Là. Non, il n'y a pas de problème. Évitez d'être malade. Alors, parce que vous ne faites pas, là. Alors, en ce moment, il y a le virus. Ouais, non. Non, vous inquiétez pas. On va éviter, justement, dans les avions. Un dernier au revoir à son garde du corps et dernière recommandation pour l'entretien des voitures et des motos. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais non, mais il faut qu'on aille chez la Bellevue pour le ramener un peu quand même. Non, mais je te permets, les voitures. Oui, non, mais mardi, je vais la. Lui, il part dans la moto, moi je prends dans la voiture, comme ça je le ramènerai. Et je vais demander de me la roder un petit peu aussi. Ouais. Mais pas dépasser les 4 cultures. Hein, pas dans le Quand on a l'habitude de se faire remarquer, pour prendre l'avion, il vaut mieux passer par l'entrée des artistes. Navette spéciale et traitement de faveur pour rejoindre l'appareil. Et pourtant, parfois, Johnny aimerait juste être un passager comme les autres. C'est très pesant, parce que des fois, j'ai envie d'être comme Monsieur Tout-le-Monde et de prendre un avion peinard, incognito, et c'est assez difficile, quoi. C'est assez difficile. Mais c'est vrai que des fois, c'est pesant, et des fois, c'est stressant, surtout. Parce que je me dis que quoi que je fasse, il faut que, que je fasse toujours bonne impression. Si Johnny patiente cette fois, c'est qu'il doit attendre que tous les passagers soient dans l'avion avant d'embarquer lui aussi. Si vous vous demandez pourquoi, il suffit de regarder la réaction des employés sur le tarmac de l'aéroport. C'est enfin, il a tout bossé et tout. François Xavier. Eh bien, franchement, vous avez fait plaisir à mon père, c'est bien, monsieur. J'ai un fiston qui s'appelle David comme le vôtre. Est-ce que je peux me permettre ? Merci. Check ça. Merci, Johnny. Ciao. Bon voyage. Merci. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à bord, j'espère que vous ferez un bon vol. À bord, c'est le commandant en personne qui accueille son prestigieux passager. Bon, ben salut alors. Et surtout, n'oubliez pas, à très bientôt à Los Angeles. Allez, bon vol et rendez-vous à Los Angeles. 9 heures de décalage horaire, alors quand on arrive à Los Angeles, la nuit passe vite. Au milieu de cette ville démesurée, un havre de paix près de Beverly Hills. C'est dans cet hôtel que Johnny s'est installé pour plusieurs semaines, le temps des répétitions de ses prochains concerts. Premier matin, premier café avec son coach Daniel. Dernier instant de répit, la journée commence. Pour se remettre du voyage, rien de tel qu'un peu de sport. Direction Gold Gym, la salle la plus réputée de tout Los Angeles. Ici, tout est énorme. C'est une véritable usine à muscles. Il y a toutes les tailles, tous les styles, tous les âges. Même les machines sont hors normes. Mais il n'y a pas que les machines qui sont démesurées. Sur la photo, c'est lui, le petit sweat moulant en moins. Quand on s'entraîne avec Johnny, il faut avoir le niveau. On aime bien s'entraîner ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, c'est même plus mon client, c'est devenu mon partenaire. Quand on s'entraîne, c'est la seule personne que j'arrive à m'entraîner avec lui en plus. Il en reste deux, non ? Bah deux, alors, ouais, ok. Bah c'est bien. Ah. Allez, deux. Allez, vas-y, trois. Quatre. Continue, cinq. Dans un coin, il y a un espion. C'est un Français. C'est donc bien Johnny qui le filme. Deux heures de muscu XXL, ça ira pour aujourd'hui.
Los Angeles en accéléré, on traverse la ville. Des avenues mythiques qui défilent. Sunset Boulevard. Les collines de LA. On croise même Mulholland Drive. Et on arrive à Burbank. De l'autre côté de la ville, la grande banlieue, ici on dit la vallée. Un quartier populaire et au fond d'une impasse, un bâtiment anonyme aux allures d'entrepôt. Avant chaque concert, c'est ici que Johnny établit son quartier général pour les répétitions. Autour de lui, des surdoués du rock. Avec par ordre d'apparition, Yvan Cassar, le directeur musical. Le guitariste, Réjean. Alain, l'autre guitariste. Reggie à la basse. Eric au clavier. Kurt, le batteur. Et Robin, la troisième guitare. Revoyons un peu des chansons, maintenant qu'on a fait les nouvelles. Et bien sûr, il y a Johnny. Dernier réglage. Pour commencer, on attaque avec « Je n'ai jamais pleuré ». C'est justement la chanson du générique de J-60. Histoire de se chauffer un peu. On m'a sifflé, on m'a moqué, on m'a quitté. De la carte, on m'a rié. Je n'ai rien oublié. On m'a meurtri, on m'a banni, on m'a trahi, on m'a haï. Et moi, je n'ai rien dit. Je n'ai jamais pleuré. Si j'avais commencé, j'aurais pas pu m'arrêter de pleurer, de pleurer. Si j'avais commencé, je n'aurais jamais cessé. Non, je n'ai jamais pleuré. On m'a cassé, on m'a vexé, insulté, bien souvent déchiré comme une feuille de papier. On m'a maudit, on m'a sali, anéanti, à mes dépens, j'ai appris qui étaient mes amis. Et je n'ai jamais pleuré. C'est bien parti. Los Angeles, sous le soleil, quartier de Melrose. Et surtout, quartier libre pour Johnny. Après les premiers jours de répétition, enfin une journée de détente. Depuis son arrivée, Johnny n'avait pas encore eu le temps de rendre visite à son vieux pote, Christian. Un copain de Saint-Trope qui a décidé de s'installer définitivement en Californie. Visiblement, pour lui, les affaires ont l'air de marcher. Pour Johnny, c'est l'occasion de faire son shopping à la cool, incognito ou presque. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Comment est-ce? Tu connais? Ça va? Michael. Je suis avec mon friend Jaiman. Bonjour, ça va? Il y a une partie des gens qui me connaissent, mais ici en Californie, les gens sont beaucoup plus cool, c'est-à-dire même les gens connus peuvent se balader et les gens ne les agressent pas, enfin leur sautent pas dessus. C'est assez paisible pour ça, c'est bien. Magnifique, hein? C'est du Johnny Hallyday, ça, non? Enflammé. Très bien, ouais. Ouais, ouais, tu peux me le vieillir un peu, ouais. Ouais, je te le dis. T'as vu cette photo, là? Ouais, c'est pas mal, ça. Inconduisible. Ça y est, tout de suite. Les notes, comme ça? Christian, je le connais depuis très longtemps. Je le connais depuis Saint-Tropez, il y a une quinzaine d'années. J'étais super fan, je suis toujours, d'ailleurs. Et de l'idole, il est passé mon ami facilement. J'ai connu la Saint-Tropez. Il vendait des meubles à Tex-Mex à l'époque. Et puis on est devenus copains.
J'ai eu organisé des fêtes pour Johnny à Saint-Tropez dans sa maison, à la Lorada. Et de fil en aiguille, il a toujours été là. Je suis toujours là, on se croise, on se voit. Aujourd'hui, Los Angeles, demain, Paris, certainement. Et c'est bien parce qu'il a, il a bien réussi ici. Combo. Il y a beaucoup de Français qui réussissent bien à Los Angeles. Des Français à Los Angeles, on en trouve même au coin de la rue. Ça va ? Ça fait plaisir de voir des Français par ici. I'm surprised he's so big, bro. Like, where's Ness? I'm sure my mom is listening to this music. Really? Yeah. Guys, comme toujours à LA, c'est-à-dire Los Angeles, dès qu'il y a une caméra, il y en a qui s'invitent. Bonjour. Les autographes, les photos avec les fans. Il faut plus qu'un océan pour plonger Johnny dans l'anonymat. Bon, bah, profitez bien alors. Ok. Bye bye. Et revoilà notre nouvel ami. Et comme ici on ose tout, Johnny n'est pas surpris. L'inconnu lui demande de faire la promo de sa soirée. Johnny repart, il sait parfaitement où il va. Depuis son arrivée à LA, il rêvait d'un bon hamburger, il sait où trouver les meilleurs. Je connais bien Los Angeles, j'aime bien le climat, il fait beau, les gens sont sympas. Il n'y a pas de stress comme à Paris ou comme à New York, par exemple. C'est cool ici. Pas de serveur affairé, un vieux comptoir un peu vétuste, Johnny patiente, comme tout le monde. Allez, on n'hésite pas, un petit supplément d'oignon, et le service, Johnny le fait lui-même. Résultat, double ration de sauce, épicée bien sûr. On est bien loin du régime d'avant-concert, et côté confort, c'est assez sommaire. On the road again, cette fois-ci direction les hauteurs de Beverly Hills. Johnny doit visiter une villa qui pourrait servir de décor au tournage de son prochain clip. Les rues se succèdent, se croisent, s'entremêlent, se ressemblent toutes. Mauvais karma, la petite troupe s'est perdue. On tergiverse, on s'énerve, la tension monte. Finalement, on finit par chercher son chemin auprès des passants. Pour Johnny, c'en est trop. Ça ira pour aujourd'hui. Fatigué des palabres et des hésitations, il part seul pour rouler au hasard dans Los Angeles, histoire de se détendre. On s'est un peu perdu, on n'a pas retrouvé le chemin. Donc on y retournera demain. Voilà. Et ça, ça plaît pas à Johnny? Non, il n'y a pas de problème. L'été, en plus, il voulait rentrer à son hôtel tranquille. Non, mais c'est mieux, on y retournera demain. Demain, il y aura moins de nuages. Donc ça sera mieux pour le coucher du soleil. C'est un peu nuageux ce soir. Bah voyons. Voilà, donc ça serait, tout est bien. Tout est bien, surtout pour Johnny qui a semé son équipe et roule tranquille dans Los Angeles. Et comme on dit, tomorrow est un autre jour. Direction Hollywood et plus précisément Bel Air, le quartier ultra chic de Los Angeles. Les plus belles demeures de Californie, le village des stars, des producteurs et des top modèles. Hier on s'était perdu, aujourd'hui on a retrouvé le chemin de la villa que doit visiter Johnny. C'est ici qu'il tournera peut-être son prochain clip. Alors on attend que le portail s'ouvre. This is my friend Justin Murdoch. Yeah. Yeah. Crazy guy. Wonderful kid. Voici le propriétaire. Il s'appelle Justin. Il est un peu chanteur, un peu artiste et surtout très riche. Johnny reste en retrait. Il n'a pas l'air très motivé. La déco est très 70s. On pourrait dire kitsch, voire très très kitsch. Avec des couleurs vraiment très colorées et des arrangements, faut aimer quoi. En tout cas, Johnny n'a pas l'air convaincu. Alors si pour certains c'est une villa de rêve, pour lui ça serait plutôt... C'est un peu cauchemar. Moi j'aime bien ce qui est clair.
mais sans aller jusqu'au côté kitsch. Pour dire vrai, la pièce préférée de Johnny dans cette villa, ce serait plutôt le jardin. Pas mon style de décoration, mais la vue est belle. Moi, je n'ai jamais eu une maison qui ressemble à ça, hein. Enfin, en décoration, je parle. J'ai suivi pas mal les modes, oui, à une époque, dans les années 70 surtout. On a tous eu des côtés un petit peu... moi, je me rappelle, j'avais... à l'époque, j'avais une Rolls-Royce blanche, avec un gros cœur rouge sur les portières. Enfin, c'était une époque, quoi, mais... C'est vrai que, mais dans les années 70, c'est vrai qu'on suivait plus la mode, que ce soit vestimentaire, les coupes de cheveux. Depuis le début de sa carrière, Johnny a toujours fait très attention à son look, au détail près. Que ce soit court comme ça, hein. Mais au lieu que ce soit si grand, tu vois, il faut le faire plus petit, les croisés. Plus rapproché. La croisure plus rapprochée. Alors, tu vois. Noir, c'est noir. Toujours à la mode, en tout cas sur scène. Johnny a traversé toutes les modes, et plus dur encore, il y a survécu. Il a eu son époque Jimi Hendrix, puis la période cap et frou-frou, remplacé bientôt par les paillettes et les franges. Au milieu des années 70, c'est Elvis qui l'inspire. Puis le cinéma style intergalactique et même Mad Max. Mais à la fin, c'est toujours au cuir qu'il revient. C'est ce qu'il préfère. Moi, je m'habille souvent en jean ou souvent en t-shirt. Et bon, je mets de temps en temps un costume, mais enfin bon, c'est pas trop mon truc. Retour à la villa. Pour l'instant, Johnny aimerait surtout être ailleurs. Pour être honnête, la vue est belle, la piscine alléchante, mais la vraie question, c'est quand est-ce qu'on rentre à l'hôtel ? En résumé, et pour être poli, on pourrait dire que Johnny commence à trouver le temps long. Pour essayer de le convaincre, on organise une projection du dernier clip de Robbie Williams qui a été tourné ici même. Tout le monde est fan, Johnny aussi. Le clip est beau, mais Johnny est perplexe. Il préfère un lieu où il n'y a jamais eu de tournage. Décidément, le côté rétro, c'est pas son truc. Je suis bien à mon époque. Ouais, je suis bien à mon époque. D'abord, j'aime ce que je fais en ce moment. J'aime ma femme. J'aime les gens qui m'entourent en ce moment. J'aime la musique que je fais en ce moment. Et puis, j'aime les films que je tourne ou que j'ai à tourner, que je vais tourner bientôt. Ou bon. Donc, je veux dire, j'ai pas envie de... Non, j'ai pas de nostalgie sur le passé. Pas de nostalgie, pas d'état d'âme non plus. Ce n'est pas ici qu'il tournera son clip. Hasta la vista, baby. Los Angeles, Californie. Un studio anonyme, c'est là que Johnny et son équipe se sont installés pour les répétitions. Dans un coin du studio, Yvan Cassar écoute un CD, presque en cachette. C'est une surprise pour Johnny. Pendant ce temps-là, celui-ci patiente. Il ignore tout de ce que lui a préparé Yvan Cassar. En fait, il s'agit d'une nouvelle orchestration d'une de ses chansons préférées, Gabriel. Déjà, on cherche beaucoup avant de trouver une nouvelle version de Gabriel. C'est un tel standard. Ce que j'essaie, c'est d'actualiser un tout petit peu le propos, mais c'est toujours difficile. Il y a une petite appréhension, une petite montée, un petit peu de transpiration. Il y a un petit peu de stress. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que ça fait 5-6 ans qu'on se connaît. À chaque fois que je le vois et qu'il arrive en répétition, il m'impressionne toujours. Il est là, et puis s'il n'aime pas, c'est un loup. Hein. Donc s'il n'aime pas, c'est au revoir, merci. Au revoir, merci, c'est ce que redoute Yvan Cassar. Alors pour mettre Johnny de bonne humeur, il a un truc à lui. Il lui propose d'abord de répéter sa chanson fétiche. Un petit peu de la musique qu'on aime. La musique que j'aime. Favorite. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de blues. C'est une chanson que les gens aiment bien. Je me rappelle, j'avais fait une tournée où j'avais enlevé
cette chanson. Puis les gens, vraisemblablement, n'étaient pas contents parce que j'ai reçu plein de lettres, plein de plaintes, de gens qui disent « Oui, quel dommage qu'il n'y ait plus cette chanson. » Donc, bah, j'ai décidé de la refaire. Il y a comme ça des chansons cultes que je ne peux pas enlever sans que ça crée des polémiques. Il y a longtemps sur des guitares. Puis moi, comme ça me fait plaisir de les chanter aussi, bah, moi, de toute façon, je suis ravi de les faire. Hein. Pour chanter Dieu et puis l'amour, la musique vivra tant que vivra. Depuis 1973, date de sa création, cette chanson est de tous les concerts. Les fans la réclament, Johnny la transcende. Je pleure, mais je chante quand même. C'est ma prière pour... Une chanson dont le public ne se lasse pas, au point de la connaître par cœur et d'accompagner le chanteur, comme ce soir-là, à l'Olympia, en l'an 2000. Chanson presque mythique au point que Johnny aime s'en amuser avec ses amis. Ils ne sont jamais les mêmes, jamais les mêmes, pour exprimer ce qu'est le blues. Orchestre, attention, orchestre, instrumental et un, deux, on change de cavalière, mesdames les trois cloches, merci. Retour à Los Angeles, Johnny a l'air de bonne humeur. Le stratagème d'Ivan Kassar a réussi, alors il tente sa chance pour Gabriel. Est-ce que tu veux que je te fasse entendre ma nouvelle version puissante de Gabriel? Ouais, je pense que tu vas être surpris sur le début. Mais tu vois, ça envoie grave. Allons-y. Johnny n'est pas dedans. Sans un mot, il écoute Ivan Kassar. Personne ne sait ce que pense Johnny. La nouvelle version de Gabriel lui plaît-elle? Vous le saurez. Retour dans les studios de répétition de Los Angeles. Est-ce que tu veux que je te fasse entendre ma nouvelle version puissante de Gabriel? Rappelez-vous, c'était hier. Ivan Kassar, le directeur musical de Johnny, lui faisait découvrir une nouvelle version de Gabriel. Un peu réservé sur ce nouvel arrangement, Johnny a préféré tout arrêter. Le temps était suspendu, personne ne savait ce qu'il pensait. Mais dans quelques instants, on va le savoir. Allez, en exclusivité pour vous, la nouvelle version de Gabriel. Thank you.
veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Il a chanté tellement de classiques que ça devient assez compliqué parce que déjà vous commencez avec une liste d'obligés de chansons indispensables que les gens ont envie d'entendre et qu'il faut jouer. Trouver une nouvelle version de Gabriel, c'est un tel standard que c'est compliqué, puis faire nouveau pour nouveau, ça sert pas à grand chose. Donc ce que j'essaie, c'est d'actualiser un tout petit peu le propos. Là, j'étais très très content, mais j'ai toujours un peu de stress parce que, évidemment, où ça passe, où ça casse, quoi. Donc, et comme c'est plutôt du genre à la première fois, où ça lui fait, où ça lui fait pas, avant de le présenter, on est toujours un peu stressé. Ah ben c'est la première fois, ça y est, tu l'as fait de la deuxième fois. Tu vois, elle est bien pure rock, quoi. Les gens vont être surpris parce qu'ils vont dire, tu vas prendre une fille, ils vont dire, qu'est-ce que c'est ? Yes ? Merci. Le public va sans doute être surpris. En attendant, on ne sait toujours pas si cette nouvelle version plaît à Johnny. C'est l'heure du verdict. Façon Johnny. Ah, c'est bien. Pas trop merci démonstratif. Ok, c'est, ouais, c'est bien comme ça. C'est chouette, hein. C'est super comme ça. Bon, tant mieux. Yvan Cassard est content. Très content. Soulagé aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Johnny a l'air heureux d'ailleurs. Il n'en finit pas de dire au revoir. Résultat, il prend sa voiture destination mystère. De rue en rue, nous voici dans les faubourgs de Los Angeles. Ambiance série américaine. Mais à vrai dire, personne ne sait où l'on va. Au compteur, les miles défilent. On est loin du downtown. Et soudain, on arrive. Un magasin de motos, c'est clair. Johnny est vraiment très content. C'est le concessionnaire de motos de Los Angeles, celui où tout le monde va. Johnny regarde d'abord les gants, puis il s'attarde sur les casques. Et soudain, The Bike, un chopper qu'il n'a jamais vu, du genre qu'on n'exporte pas en France. Allez. Petit matin californien, hôtel de Johnny. Réveil un peu difficile et pour bien commencer la journée, discussion gastronomique avec son coach brésilien, Daniel. C'est ça, je vois. De mélanger les haricots, la feijoada avec du riz. Mais par contre, si vous mangez brésilien, portugais, la feijoada, il y en a dans le restaurant brésilien. Hein, ah oui, oui, c'est ça. Hein. Déjà, que tu as trouvé ça lourd, c'est en plus, tu mets du riz en plus, je veux dire. Tu mets une semaine à digérer. Hein. Il y a une saucisse rouge, que c'est rare de trouver ça en France. Arrête de me parler de bouffe, tu m'éclaires le matin. Bah. Je sais, on est au régime, mais bon, c'est bien quand même de parler de bouffe. Ah, le matin, tu me parles de cassoulet, de saucisse rouge. Oh, c'est dégoût. Non, c'est bon quand même. C'est bon, oui. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon à 4 h du matin. Oui, voilà. C'est pas à 9 h du matin. En attendant de se mettre à table, rien de tel qu'un petit tour de moto. Chrome et décibels, pas de doute, ça c'est de la bécane, made in USA.
Il y a deux façons de voir la moto. En Europe, on se sert plus des motos plus rapides parce que les routes ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Mais pour les États-Unis, la moto, c'est plus Easy Rider, c'est plus la moto de balade. Quoi. C'est, on prend son temps et on traverse les États-Unis. Ça me rappelle énormément la traversée que j'avais fait il y a une dizaine d'années, la traversée des États-Unis en partant de Miami jusqu'à LA, Los Angeles. 1990, une virée entre potes à travers les States, d'un océan à l'autre. Une belle aventure de biker. Allez, on vous donne la traduction. Biker, c'est une profession, c'est une religion. Bienvenue au Texas, pays des cow-boys et de JR. Ici, quand on se rase, c'est à la manière locale. Tu sais, il y a les rasoirs électriques spéciaux qui passent dedans, comme ça. Rasé de près ou pas, l'autre spécialité texane s'appelle serré de près. Il y a des traditions qui ne se discutent pas. Nouveau-Mexique, ne vous fiez pas au nom. En cette saison, pas besoin de crème solaire. Et en moto, la climatisation, c'est pas exactement ça. En même temps, quand on aime, on ne se plaint pas. C'est pas chaud. Ça va, c'est bien. Il y a de l'air, on respire. On approche de la Californie, les degrés sont de retour, l'ambiance aussi. On se retrouve dans des repères de bikers, partis de billard avec des vétérans du Vietnam. Pas mal l'aigle. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Retour en 2003. C'est déjà l'heure du déjeuner. Un rad à Malibu, loin des goûts de luxe qu'on peut imaginer d'une star. On se retrouve entre bikers. On compare les motos, histoire de savoir qui a la plus grosse. This is the Rio, California. Where do you want to go? Here. 72, 83, 76, 79. Yes, sir, right here. Ici, on choisit son homard. Directement de l'aquarium à la casserole. Dehors, les montures attendent. Mais déjà, Johnny a oublié son assiette. Le temps d'appeler Paris. Séquence loin des yeux, mais pas forcément loin du cœur. Ma femme me manque, c'est normal, je suis loin, je suis à 10 000 km. Puis je raconte mes journées, je lui raconte ce qu'on fait. Ça l'intéresse. Elle arrive bientôt? J'espère. Juste un peu de blues en attendant Laetitia. Ce soir en Californie, le cœur est ailleurs. Los Angeles, déjà 15 jours de répétition. Johnny commence à trouver le temps long, 9 heures de décalage, 12 000 km, Paris est loin, Laetitia surtout. Au même moment, dans leur villa de la banlieue parisienne, Laetitia vient de raccrocher, elle surfe sur le net. En fait, un peu comme on feuillette un album de photos, elle se plonge dans les souvenirs. Là, c'était à Courchevel, l'hiver dernier. Tu te sens bien, maman ? Laetitia est en manque de Johnny. Alors elle projette leur vie sur fond d'ordinateur. Vous les revoyez comme ça, ça vous fait quoi? Ouais, ça me fait tout droit. Non mais j'adore revoir des vidéos. C'est comme regarder des vieilles photos, lire des lettres. Moi ça me fait du bien. Surtout quand je vais pas bien, ça me fait du bien. Il faut dire que Laetitia est une accro de la vidéo. Elle a toujours sa caméra sur elle et sans relâche, elle filme Johnny. Tout y passe, tournage de clips, soirée et vacances. Il y a plein de choses. Bonjour les hirondelles, il y a plein de choses. Le soleil, ça te plaît, la mer. Écoute, ça va bien. Tu fais des trop longs plans, chérie.
Johnny, c'est l'acteur de sa vie. Et quand on est la femme de Johnny, on reste fan. C'est un peu con, non? Non, parce que je suis pas non plus... On filme les amis aussi, comme de Palmas. Infernal. On surprend parfois. Ça fait, je m'attendais à tout sauf à ça. Espionne. C'est leur vie de tous les jours, dans le miroir de la caméra. Oh, ça arrête à tous les étages. C'est moi qui fais les vidéos et je pense que je le fais d'un œil différent que quelqu'un qui le ferait d'une façon plus journalistique. C'est quelque chose qu'on fait tous les deux et c'est bien comme ça. Bon. Mon mari, c'est toute ma vie. Ça me gêne de parler de lui. Une vie à deux qui a commencé il y a 8 ans. 1995, c'était sur la scène de Bercy. Présentation officielle entre Laetitia et le public de Johnny. C'est Laetitia. Ma fiancée. Non. Faut pas le dire. Ils se sont rencontrés à Miami un soir de chance. Depuis, ils ne se quittent plus. Pour le meilleur et le meilleur. 1996, mairie de Neuilly. C'est Nicolas Sarkozy qui officie, les voilà mari et femme. Que du bonheur et les larmes qui vont avec. Beau papa est content. Il faut dire que Johnny a fait sa demande dans les règles de l'art. On était dans les Bahamas et c'est pendant ce voyage qui m'a pris à part. Qui m'a dit, écoute, je suis très amoureux de ta fille et j'ai l'intention de l'épouser. Donc je te demande de la main de ta fille. Il m'a fait ça de façon très officielle et ça m'a paru effectivement évident parce qu'il y avait déjà un an qu'ils étaient ensemble. Et je vous dis, ça faisait un an que je voyais ma fille avec le sourire jusqu'aux oreilles. Donc bien sûr, je trouvais ça bien. Retour sur le net. Ce jour-là, avec les enfants de ses amis, Johnny se lâche. Un festival. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Je pouvais dans tes bras nus me retrouver. Un, deux, trois, allumez le feu. Allumez le feu. Bravo, Oscar. Ça vous fait toujours rire, ça. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment mon... c'est quelque chose que je me lasse pas de regarder. Et ça me fait toujours autant rire. Et ça me tient beaucoup à cœur, cette séquence. Qu'est-ce qu'il y a, mon coco? Faire du ski à la garderie. Quoi? Les enfants étaient déchaînés, Johnny était déchaîné et il s'arrêtait pas. Il s'arrêtait pas. Ça, aussi bien pour les enfants que pour Johnny, c'est quelque chose qui... chaque fois qu'on le regarde, c'est un moment de bonheur. Des enfants comme ceux que Johnny et Laetitia aimeraient avoir. Pour l'instant, sans succès. Même chez Léa Hallyday, tout n'est pas si facile. Ça fait partie des moments difficiles de notre vie, ça. Le fait de tous nos échecs. Ça a été très difficile à vivre. J'ai appris à le gérer grâce à mon mari. Et j'ai de la chance d'avoir un mari comme le mien. Allez, patience. Bientôt, Laetitia rejoindra Johnny. Le bonheur n'est plus qu'à quelques heures. Départ pour la Californie. Aujourd'hui, ce n'est pas Johnny qui s'envole, mais l'un de ses amis, Patrice Golupo. Il va faire découvrir à Johnny les plus beaux clichés de sa carrière pour ce projet d'album photo qu'ils ont en commun. Et il s'en va où comme ça? Los Angeles, c'est marqué dessus. Merci. 17h et quelques plateaux repas plus tard, Los Angeles. Impatient de montrer les résultats de ses recherches, Patrice Golupo se rend directement à l'hôtel de Johnny. Déjà 9 heures de décalage horaire, il va falloir en rajouter quelques-unes parce que pour l'instant, Johnny est occupé. Petite séance de pause pour un journal californien. Ambiance très professionnelle, si ce n'est que la photographe locale a oublié le titre du film de Johnny qui sort cette semaine aux États-Unis.
What? I don't know. Je sais pas le nom. Allez, un petit effort. L'homme du train. Oui. C'est ça. Séance de photos à l'américaine. Super, merci. Very nice par-ci, wonderful par-là. Et on prend la pause. Juste une petite sourire. Super. Ok, now, like, you don't like me at all. As serious as you can be. There you go, great. Voilà. Voilà, c'est fini. La photographe américaine est très impressionnée par Johnny. C'était super. Il était très gentil et il est beau. Et... Il est comment? Oui, il est beau. Ça suffit maintenant. Pour Johnny, sans faire le blasé, c'est un peu une question d'habitude. Ouais, c'est toujours la même chose. Ça va? Comment ça va? Ça va, Golup? 21h, Patrice Golupo est debout depuis près de 36 heures. Et à défaut d'aller se coucher, il voit enfin Johnny. Allez. Ça te rappelle peut-être quelque chose? Ouais, ça, c'est un magasin de musique qu'il y avait au Notre-Dame où j'habitais. Ouais, juste en bas de chez toi. J'étais môme, ouais. Attention, moment de vérité. Johnny découvre les photos, toute une carrière en noir et blanc et en couleur. Il y a des belles photos, on les utilise jamais, avec une belle citation de Woody Allen. Il est difficile de vivre sa propre vie et en même temps de chanter juste. Je trouve que ça te va bien. Voilà, donc celle-là, je pense pas non plus que tu la connaissais. C'est un compromis de James Dean et de Marlon Brando dans le tramway, tu vois. Ça, ça doit te rappeler quelque chose aussi. Ça, c'est des stylis. C'est des stylis, oui. Ouais. Et ça, c'était un de tes premiers numéros. Chorégraphie de la bagarre. Ouais. Et oui, moi, j'ai commencé tôt, jeune, et j'ai persévéré. Les lunettes. Ça, tu m'avais dit que tu aimais bien la citation, quand même. Une star, c'est quelqu'un qui travaille dur pour être connu et qui, après, porte des lunettes pour qu'on ne le reconnaisse pas. Ah, voilà la première photo que j'aime bien. Et tu te rappelles que quand je t'ai montré ça... Non, mais ce que j'aime bien, moi, c'est le tatouage du gars avec le même flingue. Ça, c'était pris pour, un clip, ça. Regarde, ça, photo inédite. Quand même, c'est les gens, à l'époque, où se doutaient que Johnny Hallyday, ils se retrouvaient Johnny Hallyday qui était là sur le trottoir à joue. Ouais, mais en même temps, il y a déjà plein de choses, hein. Regarde, on pourrait retrouver des photos comme ça il y a 3 ans, hein. Ouais. Ah, si. Des photos, des histoires, des vies. De quoi être impressionné par Johnny Hallyday? Non, je suis pas impressionné par Johnny Hallyday, là. Non. Mais des fois, quand je regarde des photos comme ça, de plein d'époques différentes, je me dis... j'en ai quand même fait pas mal de choses, quoi, dans ma vie. J'ai vécu plusieurs vies, alors ça fait partie de des époques différentes. Mais je pense que dans le bouquin, on va s'en rendre compte, quand même. Hein? Alors voilà, ça c'est un document, personne n'a jamais vu. Eddie Mitchell qui danse pendant que je chante du rock'n'roll. Non, alors moi ce que j'aime bien c'est, pendant ce temps-là, il y a le boucher qui va chercher du pinard derrière, tu vois. Bah, c'est normal. Pour Eddie. J'ai pas de nostalgie sur le passé. Je crois qu'on peut avoir la nostalgie si on a été et qu'on n'est plus. Des fois je vois des émissions à télévision, que sont-ils devenus? Bon, je vois des gens que j'ai très bien connus. Il y en a un qui est, bon, je dirais pas de nom, hein, mais il y en a un qui est vendeur de poissons maintenant sur une place de marché, un autre qui est chauffeur de taxi. Je veux dire, ce sont des métiers tout à fait honorables, hein, c'est pas du tout pour ça que je dis ça. Mais je veux dire, ils ont connu le succès. Et là, connaître le succès et puis de ne plus le connaître, je me demande comment ces gens doivent le vivre. Ça doit pas être facile, quoi. À croire que Johnny a toujours eu la baraka et l'angoisse de l'échec, jamais. Ben, la vérité, c'est que j'y ai jamais pensé. J'y ai jamais pensé. Pas parce que j'ai toujours eu succès, parce qu'il y a eu des périodes où j'ai eu moins de succès qu'à d'autres périodes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour demain. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce que j'ai fait hier. OK. OK, c'est bon. Patrice Golupo a tout bon. Il faut dire que depuis le temps, il connaît le mode d'emploi. J'ai fait 14 ans avec lui, on va dire. Donc au bout d'un moment, on se rend compte très très vite de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais finalement, c'est quelqu'un d'extrêmement simple. Parce que je ne vis pas avec mon succès, moi je vis avec moi-même, et c'est déjà difficile comme ça.
Parce que c'est jamais facile déjà de vivre avec soi-même. Tous les matins, quand on se lève dans une glace, on se lave les dents, on voit sa tronche le matin. Bon, pas la même que le soir. Hein. Mais non, je veux dire, bon, je vis avec moi-même, donc moi, je suis pas épaté par... Je suis pas épaté par Johnny Hallyday. Je suis pas épaté, bon... je fais mon métier, j'essaye de le faire le mieux que je peux. Ça fait 43 ans que ça dure, alors, à lundi. Los Angeles, direction l'un des hôtels chics de Beverly Hills. On doit y retrouver Garou. Ben là, on est venu, je suis venu à Las Vegas, il y a un petit arrêt pour venir voir Jenny, pour qu'on décide qu'est-ce qu'on va potentiellement chanter ensemble, parce qu'on ça fait un petit bout qu'on a envie de chanter ensemble, puis aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce qu'on va chanter ensemble. 14h, arrivé au studio de répétition de Johnny. Johnny, je l'ai rencontré dans un resto pendant un dîner. On s'est mis à chanter à table puis à déconner. C'était à Montréal, on s'est amusé comme des fous. On le voyait plus comme un complice que comme un monument avec qui je serais mal à l'aise. À peine quelques instants de retrouvailles et déjà, on parle boulot. Laisse passer. Garou, je vais la faire une fois pour toi, la chanson. Comme ça, tu l'écoutes et puis après, on la fait ensemble, si tu veux. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Ça y est, Garou découvre la chanson que Johnny lui a choisie, Ma gueule. Ils vont la chanter en duo et les duos font toujours partie des spectacles de Johnny. C'est vrai que quand une star... vient sur une scène faire un duo avec la personne qui fait le spectacle, en l'occurrence moi, et c'est vrai que ça fait plaisir aux gens. Ne sais pas de moi. Et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est un petit peu le petit cadeau en plus qu'on fait du spectacle au public. Cadeau au public comme cette chanson écrite par Bruel et chantée par Patrick et Johnny. Au Stade de France, c'est Florent Pagny qui fait une apparition exceptionnelle. Comme d'autres gars l'ont fini. Lara Fabian ou le souvenir d'un duo créé pour les Restos du Cœur. Une expérience que Johnny voulait renouveler devant son public. Lionel Richie, l'ami américain venu spécialement pour celui qu'il considère comme l'égal des grandes stars du rock US. Je croise tous les matins à 5h40. Elle va prendre son train. Et enfin, Jean-Jacques Goldman, qui a écrit de nombreuses chansons pour Johnny. Et nous, on rentre. Retour à Los Angeles. Quand on a chanté Notre-Dame de Paris, on peut chanter ma gueule. Tu as so many more gueules que vous avez à l'époque. C'est pas une question de gueule, c'est une question de mélodie. Moi, ma bosse, qu'est-ce qu'elle a, ma bosse. 15h, tout le monde est ready? On peut commencer. Quoi, ma gueule? Deux personnalités, deux voix, deux présences qui sur scène se rencontrent, s'affrontent. Quelque chose qui ne va pas. Quand on accueille d'autres artistes sur scène avec nous, on n'est pas là pour faire de la compétition, on est là pour s'amuser ensemble, on est là pour donner quelque chose ensemble aux gens, on n'est pas là pour... Il n'y a pas du tout l'esprit de compétition, on est là pour donner de la musique, on n'est pas là pour... On ne fait pas un duel
d'épée ou un combat de boxe. Si tu veux te la payer, rien je rends la monnaie. Rien dit, tu l'as déjà dit, on va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis, on cherchait plutôt des amis. Mais quoi ta gueule? Oh, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Et je m'en fous qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. Ce n'est pas comme une que je connais, une qui me laisse crever tout seul. Mais je ne veux même pas en parler, une qui se fout bien. Voilà, c'est déjà fini. Garou ne sera resté qu'une heure. Parfait. Pour belle la vie. Merci. Bonne répète. Salut, mon pote. Ça fait un plaisir. À tout à l'heure, j'aime bien la musique. Okay. Good. Ciao. Pas de temps pour les effusions. Garou doit rejoindre Céline Dion à Las Vegas. Mais on le retrouvera bientôt. Mais on se revoit le 14 juin, je crois. Mauvais temps sur Los Angeles. Déjà 2 semaines de répétition pour Johnny et on prend du retard. Le concert est dans moins de 4 semaines et toujours pas de répétition complète du spectacle. Les problèmes s'accumulent. Aujourd'hui, c'est Kurt, le batteur, qui est sur la sellette. Johnny s'énerve. Le batteur a tendance à jouer un peu derrière tempo. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des trucs. C'est bien, mais. Il faut jouer derrière. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'il prenne. Surtout quand ça monte, il faut que ça soit un peu devant et pas, ça pousse, un peu, et pas un peu derrière. Il faut que ça pousse un peu. C'est la première fois qu'il travaille avec Johnny, donc il n'avait pas compris tout de suite qu'il n'était pas question de répétition ou de concert. Il fallait toujours jouer à 100%. Quand il vient chanter, il chante à 100%, sans aucune économie, et il attend de ses musiciens que ça soit la même chose. Message reçu 5 sur 5. He thinks really hard about the show and about the music and he wants it to be the best that it can be. And I have a lot of respect for that. OK, j'oublierai ton nom. Sophie? Comme il faut bien poursuivre, on enchaîne avec un duo. Sophie la choriste joue les doublures de Natacha Saint-Pierre et d'Isabelle Boulay. C'est ça la note? Ça me semble pas, voilà. Ça fait joli, ça fait super. Allez, c'est parti. La tonalité de la chanson a changé. L'adaptation est difficile. Johnny n'est pas à l'aise. Aujourd'hui, décidément, rien ne va. Cette nouvelle version ne convient pas à Johnny. Ah, j'ai du mal à l'attraper, c'est ça. Là, t'es dedans, hein, il manque rien. Il faut trouver les notes justes, quoi. Ouais, mais t'es presque dedans. C'est, bien, ouais. C'est vers la fin, tu vois, des trucs que j'arrive pas à piquer la note. Tu trouves ça nécessaire? Non, c'est pas que j'en ai marre. Jamais j'en ai marre. Je suis sûr qu'il y a des jours, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller au bureau. Bon. Mais moi, c'est pareil. C'est pas des jours, j'ai pas envie d'aller en répétition. M'enfermer alors qu'il fait beau dehors, il y a du soleil et que je peux prendre ma moto et aller faire un tour. Pas question d'aller faire un tour à moto. Assez perdu de temps pour aujourd'hui. La répétition continue. Ainsi vivait Tennessee. Je prends un tempo, suivez-le.
Quand le tempo que je prends au départ, c'est le tempo qu'il faut continuer. Problème de tempo, décidément Kurt, le batteur, n'y est pas. Discussion en aparté avec Robin. Si rien ne s'améliore, il va falloir trouver une solution. Ok, c'est parti. Let's rock. Pour se détendre, Johnny jette un œil sur un magazine. Visiblement, il cherche un article. It's a review of his movie. It's in Time magazine today, this week. It's really good review. Un article qui encense Johnny l'acteur. Rien de tel pour se faire du bien et se rassurer. You're a big star, sir. T'as vu? Je me dis qu'elle n'est pas là. Ah oui. Je rentrerai. Wow. Et il sort vendredi, mon film, ici. Bravo. Impressionnant, hein? Impressionnant. Enfin, même moi. Bon, si monsieur voulait chanter un peu pour nous, ce serait bien. La répétition doit s'arrêter. Johnny préfère aller prendre l'air. Je suis désespéré. Il veut lire son article, il veut chanter. C'est bien, ben je... Non, c'est très bien. Ça va me mettre de bonne humeur. Mais monsieur est de parfaite bonne humeur. Oui, 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 oui. Tout va bien. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh, ah là là là. Tiens, c'est de plus en plus mou. Hein. Tiens, je sais qu'on est en répétition, mais. Non, non. Ça traîne. C'est vrai que je comprends. J'ai pas non plus qu'il faut le. Tu vois, débouler, mais. Demain, on l'essayera deux fois plus vite. Pas deux fois. Pourquoi deux fois? Non, deux points plus vite. Ah. De tempo. J'ai peur. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Jouer bien 2-3 chansons, comme ça, on répète 2 chansons, ça c'est possible. Mais jouer bien 30 chansons d'affilée, avec la bonne énergie, ça c'est très difficile. Quand on est en répétition, c'est toujours un peu compliqué parce que... on se laisse un peu aller parce qu'on répète, on fait pas le vrai spectacle. Alors on se relâche tous un petit peu. Alors il faut toujours être un peu derrière en disant non, non. Donc il faut simplement te pousser un petit peu et puis tout rentre dans l'ordre. Allez, ça y est, cette fois c'est la bonne. Le feeling revient enfin. C'était juste un passage à vide. Dans quelques heures, Laetitia arrive. Alors, vivement demain. Aéroport de Roissy, c'est le grand jour. Laetitia part pour Los Angeles. Il y a des sourires qui en disent long. Salut. Chargé, hein? Chargé, oui. Mais pour 2 semaines en Californie, il faut bien prévoir. En attendant, Laetitia est impatiente. Sans Johnny, elle commençait à trouver le temps un peu long. Ça se voit que je suis heureuse de le retrouver, mais ouais, ça fait longtemps maintenant. Rencontre surprise à l'enregistrement. Michel Larocque et sa fille qui habitent Los Angeles. C'est ce qui s'appelle un au revoir heureux. Inutile de sortir les mouchoirs. À Los Angeles, c'est le cœur et le pas léger que Johnny se rend au studio de répétition. Après les jours difficiles, ça sent la bonne humeur et tout le monde s'y met. Bonjour. Chacun a le droit à sa poignée de main, à un sourire, à une bise, voire à un petit mot. C'est décidément une journée particulière. Traitement de faveur pour Robin. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, même entre rockers. Il faut dire que Robin, c'est le chouchou de Johnny, bien plus qu'un simple musicien. Ils se sont connus il y a une dizaine d'années. Depuis, plus une apparition sur scène, plus un concert sans Robin. That's rock and roll. It's really cool. He's funny and generous and very hands-on with the music. And he's just a regular lovely bloke to hang out with. He's a lovely guy to, you know, go out to dinner with and go sailing together, and you know, just like a regular friend. Yeah, I love him. He's a great guy. He's a really good friend. Go away. Go on, bagger off. Mais Robin, c'est plus qu'un musicien. Il fait partie de la famille, Robin, maintenant. C'est pas un copain, c'est un ami. Il y a une différence entre copain et ami.
Il est plus que ça, même. C'est mon frère. Ok, c'est parti. N'oublierai pas que dans la fin, il faut les voir un peu gospel. La répétition peut commencer. Tous en accord sur le tempo de Johnny, celui de la bonne humeur. Johnny sait que Laetitia sera là dans les minutes qui viennent. Il y a des arrivées qui vous font prendre un nouveau départ. Besoin de prier en chantant du gospel. Aujourd'hui du ciel, on peut attendre le meilleur. Surtout un avion. Ah, on dirait que les choses se précisent et que Laetitia arrive. Et voilà, en chair et en os, l'apparition. Laetitia, from Paris. Après l'impatience, le temps des retrouvailles, 3 semaines de séparation, c'est long. Johnny et Laetitia entre pudeur et tendresse. Et pour Johnny, la meilleure façon de dire je t'aime, c'est encore de chanter. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Les fleurs et tes dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé, le secret de mon âme. Je te promets la vie, le mérir à mes larmes. Je te promets le pont à la place des jarres. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Los Angeles, deux êtres qui s'aiment sont enfin sous le même ciel. Bonne fin de soirée et à demain. Los Angeles, tenue de biker et casque de rigueur. Ce matin, Johnny se rend au studio à moto. Et s'il a choisi de faire le trajet seul, ce n'est pas parce qu'il n'a pas confiance en la conduite de Laetitia, mais parce que sa moto est aussi attendue que lui. Johnny n'a qu'une journée à peine pour tourner le clip de son prochain single. Il ne faut pas prendre de retard dans les répétitions. Je vais filmer l'arrivée en moto. Ouais. L'arrivée quand tu arrives au studio. Ouais. Donc je vais le faire avec toi, en objectif, c'est-à-dire te filmer toi au guidon de la moto. Et je ferai un plan subjectif de toi arrivant sur la moto. Donc c'est moi qui vais conduire, parce que c'est ta vision, avec le mec qui filme. Par-dessus mon épaule. Johnny, le rock et la moto, c'est un triptyque absolument indissociable. La moto fait partie de son univers. Donc, ça nous a semblé assez normal, compte tenu de l'endroit où on se trouve, à savoir Los Angeles, qu'on commence le clip par ça, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Moto et studio, le scénario du clip, c'est un peu la vie de Johnny à Los Angeles. Une dizaine de prises, sans casque, mais dans un clip, tout est permis.
Le réalisateur est tout de même un peu plus lourd que Laetitia. Ça frôle la cascade. Il est lourd. C'est la caméra. Pas moi. Tiens, il passe bien mon toit avec une derrière. Il pèse au moins 150 kilos. Mais là, ça fait du poids. Donc, juste les caméras, tu vois. Pour écrire le clip, Vincent Debrusse, le réalisateur, s'est largement inspiré de Johnny. Johnny est un personnage chaleureux. Johnny est un personnage pour qui l'amitié compte énormément. C'est l'amitié qui unit les musiciens sur scène, qui fait que les gens partagent exactement la même chose, la même chaleur, le même amour de la musique. C'est ça qui, en général, donne la chair de poule, quoi, parce qu'il y a une vraie émotion. Et c'est ce qui fait que Johnny est Johnny, quoi. C'est ça, c'est le rock. Du pur, de l'authentique. Ah ouais, c'est bon, ok. On passe à l'intérieur, alors. Okay. Ouais, merci, monsieur. Il était temps. La moto, c'est sympa, mais quand on met le son, c'est quand même mieux. Tournage dans le studio de répétition, un peu réarrangé pour l'occasion. La lumière est étudiée, ça n'empêche pas les faux départs. Coupé. Je suis content que tu avais cette joue-là vraiment dans le noir. Mais c'est très beau, il y a des moments, c'est très beau. Mais on était dans une configuration extrêmement légère parce qu'il y a beaucoup de musiciens. Le local de répétition n'est pas un énorme local. On peut difficilement être 240, comme sur un grand film américain. On est prêt pour le clap ? Ok. Vas-y, on voit. Johnny, deuxième. Un clip et une chanson qui collent à la peau de Johnny. Je marche à 80% à l'Asta, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, je ne planifie rien. Je n'ai jamais fait de plan de carrière, par exemple. Je marche à l'Asta, je ne me dis pas, pour avancer, pour faire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je fais les choses sur le moment. Parce que, alors des fois je me trompe, des fois je ne me trompe pas. J'essaie de me tromper le moins souvent, mais enfin bon, moi sans instinct, je peux pas fonctionner. Fais de moi ce que tu veux, je crois tout. Fonctionner à l'instinct comme ça, ça déstabilise pas ou ça stresse pas l'entourage, les gens avec qui vous travaillez ou qui vivent avec vous? Si, très souvent. Mais bon, faut s'adapter. Et ça vous amuse un peu? Non, mais. Ou on les arrange eux, ou je m'arrange moi. Alors je préfère m'arranger moi. Pour les amateurs de coulisses, voici la version accélérée. C'est technique, on va pas rentrer dans le détail. Alors c'est comme un bon vieux vinyle qui passe du 33 au 45 tours. Qu'est-ce qu'on fait, Vincent ? Attention, c'est donc la version accélérée. Merci. Hein ? Moteur ? Fin de la parenthèse, le tournage est fini. Demain, les répétitions vont reprendre en vitesse normale cette fois. Los Angeles, plus pour longtemps, car aujourd'hui, c'est le dernier jour de répétition. Au studio, l'atmosphère est un peu spéciale, la bonne humeur est palpable. Les choristes s'amusent et improvisent dans les couloirs. Comme les autres, Johnny se fait plaisir. À tel point que ce matin, il est arrivé en avance. Plus inhabituel encore, c'est Yvan Cassar qui est en retard. Bonjour. Alors ? Non mais je travaillais là. Oh, je crois pas. Mais on peut même plus rien faire ici. Next ! Je fais 8. Tu démarres direct. Yes. Parfait. Direct. C'est
La dernière répétition est le premier enchaînement complet de l'ensemble des chansons du spectacle. Alors effectivement, faut allumer le feu. La flamme de nos yeux, oh, allumez le feu. Je suis seul. L'ambiance est studieuse, mais Johnny est un peu dissipé. Yeah. Bien sûr, on ne coupe pas aux petites blagues entre amis. Bon, allez, next. On va répéter. Ne reviens pas, mais je suis pas sûr qu'on la fasse. Pourquoi ? Elle est bête ? Hey, il sait que c'est parce que je l'aime bien. Et je marche en plus. Moi, j'adore. Ouais, j'ai marché, mais alors, je suis tombé dedans, mais c'est abusé, car j'en suis presque vexé. Oh, c'est vexant. Il faut du temps pour s'en sortir. J'aimerais pouvoir t'ouvrir les bras, mais ne viens pas à ta fille. Complètement fou. À cause de toi, si c'est pour me proposer pire. Tout de même, le sens de l'humour a ses limites. Johnny, après de 3 semaines de répétition acharnée, est un poil sensible à la critique. Ne reviens pas. C'était un peu... Tu as les trucs? Ouais, ouais. Tu entends? Non, j'entends bien. Allez, on enchaîne. In English, please. Let's rock. Les rocks, c'est quand même mieux en anglais. Et de la VO à la VF, il n'y a que quelques mesures et surtout pas de pause. Vive les cadences infernales. Ben aujourd'hui, c'était pas mal. Ça avance bien. Aujourd'hui, c'est la première filée qu'on a fait, c'est-à-dire de la première à la dernière chanson. Enfin, tout d'un trait. Et dans l'idée générale, je suis assez content. Je suis assez content. Les musiciens ont beaucoup travaillé. Et ça roulait pas mal. C'est super. On a fait notre vrai premier filage. Johnny était très content. La journée s'est très bien passée. L'énergie était là. Le groupe était très cohérent autour de lui. Je pense qu'il s'est rendu compte que le groupe pouvait jouer le show. Pour la première fois, il s'est dit « C'est bon, mon équipe est prête ». Donc, c'était très positif pour le moral de tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, il manque plus que le public. On sera complètement heureux. Quand on aura notre public avec nous, devant nous. T'es enceinte de combien de temps, là ? 4 mois. Dernière séance photo. Là encore, on ne se prend pas au sérieux. C'est bon. Yes, hello. Ah. Oui. Oui. Très occupée. Oui, hein, elles chantent, les filles. Oui. L'humeur est comme le temps, au beau fixe. Alors on profite de la rue pour improviser un show d'adieu. Beaucoup de joie, un peu de mélancolie. Le meilleur cocktail des fêtes de fin de répétition. Photo avec Robin. Festival de grimaces, aujourd'hui, tout est permis. Dans quelques jours, toute l'équipe se retrouvera pour le premier concert de l'autre côté de la planète, à l'île de la Réunion. Bye bye, peut-être, mais ce n'est qu'un au revoir. Le soleil, la mer, la plage, et Johnny a des années-lumière de Los Angeles.
Quelques heures de repos dans un des plus beaux hôtels de l'île Maurice dans la baie de Bellemare. Et tout ça avant le départ d'une tournée marathon de 25 stades à travers la France. Disons que ces trois jours que j'ai passés à l'île Maurice, c'était surtout de la récupération. Parce que sur scène, quand il faut envoyer la patate, il faut l'envoyer. Alors si on est crevé, ça le fait pas, quoi. Et là, ça va mieux ? Là, ça va. J'ai récupéré. Rien que du bonheur, donc, au soleil de Laetitia. Le message est clair. On se calme. Hein. Les friandises resteront dans l'assiette. Le premier concert de la tournée est dans 8 heures. Johnny a déjà la tête ailleurs. Au même moment, à 200 km de là, à l'île de la Réunion, les musiciens prennent le bus pour rejoindre le stade et le concert. This is where we are. This is where we're playing today. And it looks like it's on top of the world. Et pour tromper la tension, on plaisante un peu. Parce que quand on porte des lunettes bleues, ça affaiblit l'appétit sexuel. Et voilà, il va changer de lunettes. Les lunettes de couleur, le rouge, le rouge. Ah, j'ai pas posé la question, je vous demanderai. Et voilà, voilà. Et voilà, on n'en saura pas plus. Dans les autres rangs, c'est le silence et la concentration. Les bons élèves révisent, d'autres encore ont des préoccupations très existentielles. J'ai oublié mes chaussettes et je vais être pieds nus dans mes bottes. Est-ce que quelqu'un aurait une paire de chaussettes à me prêter ? La réponse ne viendra pas du bassiste, trop absorbé par son roman policier, ni de Robin. Rien n'est trop bon pour tromper le stress. Rien d'autre à faire, ça n'est pas l'avis de Régent qui consulte le planning. Ça commence. Ce qui commence, c'est un long tunnel de 72 jours de tournée, 25 dates de concert, 1 million de spectateurs. Retour à l'île Maurice, un hélicoptère attend Johnny. Le concert commence dans 6 heures. Je pense qu'on va décoller d'ici 5 minutes. D'ici 5 minutes à peu près. Au bout du fil, Jean-Claude Camus à l'île de la Réunion, déjà sur scène dans le stade de Saint-Denis. Le producteur de Johnny patiente. Lumière, régie, son, balance des instruments. Dernier réglage pour un concert qui se fera sans le décor définitif. Un décor que personne n'a encore vu et qui ne sera dévoilé que lors du premier concert en métropole. Oh, il y a tous 18 000 problèmes à la minute. C'est normal, c'est quand même aujourd'hui, même si on n'a pas le décor, tout, mais c'est quand même le départ, le vrai départ sur ce travail de 2 ans qu'on a fait avec toute l'équipe. Donc il est normal qu'il y ait des ajustements à faire à droite et à gauche. À l'île Maurice, Johnny arrive enfin. Nous sommes à 5 heures du début du concert. On prend de l'altitude, mais la beauté du paysage ne trouble pas Johnny, silencieux, déjà concentré. Île de la Réunion, aéroport privé. Tout le monde est là pour accueillir Johnny. C'est... Tu l'appelles là tout à l'heure pour les deux avisés de la... À l'île Maurice, Laetitia tente d'apaiser Johnny. Après l'hélicoptère, il faut prendre un jet privé. 40 minutes de vol, 40 minutes de silence. Allez. Oh Johnny, arrive. Normalement, on devrait voir l'avion. Ça fait 40 minutes qu'il a décollé de l'île Maurice. On a le moral. Certes, on va pas le perdre aussi facilement. Et quand même, il devrait être là, on devrait voir l'avion et on ne le voit pas. Donc on prend du retard. J'espère que monsieur ne va pas être de fâcheuse humeur. L'avion se pose enfin. Nous sommes à 2 heures du concert. Johnny semble de bonne humeur. Pas pour longtemps. Tout à coup, c'est le déluge. Dans le stade, 19 000 spectateurs sont sous les trompes d'eau.
départ n'est pas gâté quand même pour le premier spectacle. Merde. Faut pas faire voir qu'on est stressé parce que c'est pas bon pour l'artiste, c'est pas bon pour l'entourage. Donc, faut faire face, mais de temps en temps, c'est un peu lourd. Dans la voiture de Johnny, c'est un peu lourd aussi, malgré les efforts de Laetitia. Johnny se souvient sans doute des concerts annulés au Stade de France pour cause d'orage. Depuis 3 ans, il n'est plus monté sur scène et dans 1 heure, le concert doit débuter. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Tant de chiens sur l'île de la Réunion. Le concert doit commencer dans moins 1 heure et des trombes d'eau s'abattent sur le stade de Saint-Denis. Sous l'œil des spectateurs déjà trempés, les techniciens s'affairent pour tenter de limiter les dégâts. Je suis pas certain que ce temps-là mette mon artiste de bonne humeur. Oh, c'est pas marrant. Toute l'équipe, tu vois. La limousine noire n'est plus qu'à quelques minutes du stade. À l'intérieur, Johnny Hallyday est crispé et Laetitia essaye en vain de détendre l'atmosphère. Okay, on voit aucune étoile. Hein. Sous les projecteurs, il pleut des cordes. Ce qu'on vient de se prendre sur la tronche, c'est quand même pas mal. Hein. C'est digne du Stade de France. Le Stade de France, c'est un mauvais souvenir. Il y a 5 ans, un concert au stade avait dû être annulé pour cause de pluie. Le Stade de France, un certain 4 septembre, quand il a fallu annoncer à 80 000 personnes, je vais j'entre en scène pour dire c'est la mort dans l'âme, on va pas pouvoir jouer. Ça secoue un tout petit peu. C'est la mort dans l'âme. La plupart des fans avaient dû revenir pour le concert de remplacement. Un véritable traumatisme, un cauchemar que ne veut pas revivre Jean-Claude Camus. C'est insupportable, j'ai beau être zen, il y a mon estomac qui est transformé en vis de pressoir. Il ne faut pas faire voir qu'on est stressé parce que c'est pas bon pour l'artiste, c'est pas bon pour l'entourage. Faut faire face, mais de temps en temps, c'est un peu lourd. Et là, on n'est pas gâté quand même pour le premier spectacle, merde. Si vous pouvez ne pas pleuvoir déjà quand il arrive, ce serait pas mal. Dieu serait avec nous. Les dieux semblent l'avoir entendu. Quand la voiture de Johnny apparaît enfin encadrée d'une escorte de gendarmes, les cieux se sont calmés. La pluie s'est presque arrêtée. Trempés, les gens. Il est tombé des trompes. Tu les as eues en route, les trompes d'eau ? La démarche calme, Johnny se dirige vers les loges. Des spectateurs ont aperçu leur idole. La rumeur se répand dans le stade. Il n'est pas sur scène et c'est déjà l'ovation. À peine arrivé dans les coulisses, Johnny salue ses musiciens. Il rassure, il encourage. À aucun moment, il ne laisse deviner son inquiétude. Vous avez vu ce qu'il est tombé ? Vous avez vu ça en route ? Même à l'hôtel, il fait beau, donc c'est insensé quand même, cette histoire. Johnny Halliday. Crazy crowd, huh? It's every time it rains, they scream. It's wonderful. They're enjoying themselves. Good. Good for them. Effectivement, ce n'est plus le temps de rigoler. Johnny se prépare à rentrer sur scène. Dans le stade, le public est trempé et commence à s'impatienter. Après un petit clin d'œil des cuivres, Johnny, très concentré, apparaît enfin devant les 19 000 spectateurs du stade. Ça y est, c'est parti.
public est aux anges, mais en coulisses, tout le monde retient son souffle. On prie le ciel pour que la pluie ne revienne pas. Pour l'instant, tout va bien. Bonsoir, merci. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir à l'île de la Réunion avec vous. Merci pour votre accueil. L'accueil est chaleureux, mais le répit aura été de courte durée. De nouveau, l'orage se déchaîne. Impassible, Johnny continue à chanter. On tente de protéger le matériel, tant bien que mal. Johnny, trempé jusqu'aux os, lui, est imperturbable. Mais pour les techniciens, la situation s'aggrave. Les faux contacts se multiplient. La sono risque de claquer à chaque instant. La chanson se termine et l'interrogation commence. Faut-il ou non continuer le concert ? Johnny est amené dans un coin de la scène. Il va falloir vite prendre une décision. Poursuivre le concert, c'est un pari risqué, mais dehors, 19 000 spectateurs attendent sous l'orage. Johnny va devoir trancher. Un véritable cauchemar. Dans le stade de Saint-Denis de la Réunion, le concert de Johnny Hallyday a commencé depuis 20 minutes et l'orage gronde. Une pluie torrentielle s'abat sur la scène et les spectateurs. Les conditions sont tellement difficiles qu'il faut faire le point. Pas le temps de se sécher pour Johnny. Il faut prendre une décision, interrompre le concert ou poursuivre malgré la pluie tropicale. Dehors, le public donne de la voix. Finalement, Johnny a tranché. Le concert va continuer coûte que coûte, jusqu'au bout. Quand il revient, les 19 000 spectateurs l'acclament rassuré. Sur scène, Johnny chante, malgré ses vêtements trempés, malgré l'eau qui s'infiltre partout. Le public, lui, est ravi. Après la peur de voir le concert annulé, il y a maintenant la gratitude pour un chanteur prêt à braver les éléments pour rester en scène. Comme une communion sous la pluie, dans une même ferveur, un homme face à 19 000 spectateurs, tous égaux face à l'orage. Après 2h30 d'un combat contre le ciel, le concert s'achève. Johnny quitte la scène heureux, il a tout donné. Les commentaires de la presse réunionnaise sont unanimes pour saluer le courage de Johnny. Johnny Hallyday en a vu d'autres, il préfère prendre ses péripéties avec humour. Qu'est-ce qu'on ressent quand il pleut comme ça? Rien. Rien? On est trempé. Mais comme je transpire beaucoup sur scène, de toute façon, ça me change pas beaucoup. Start the France. Les musiciens, eux, en revanche, s'en souviendront. Well done, finally. Bon spectacle. Ça casse bien la glace. On est tombé à l'eau. C'est amusé. J'ai beaucoup aimé cette espèce de chorégraphie improvisée sur des voyages. Yvan Cassard plaisante, mais la pluie, ça fait quand même du bien quand ça s'arrête. En fait, ce qui est bien, c'est que je ne crois pas que ça puisse être pire en conditions atmosphériques. La fin du concert, avec la moitié du son qui marchait d'un côté, mais il a tout fait, il a tout chanté. Chapeau. Rien ne me dérange vraiment, je veux dire, je m'adapte facilement à tout, mais ça vient sans doute que je fais ce métier depuis longtemps et que, comme on dit, on the road again, et tout va bien, quoi. Pour Johnny, en concert, il n'y a qu'une devise, le public avant tout. Ah, il en a fait quand même, ce spectacle.
supporters. Rien que pour vous, je suis fier de faire ce métier par rapport à vous. Merci. Nous, ça va sur scène, mais c'était surtout pour le public. Les pauvres, il y en a qui étaient là depuis 4h de l'après-midi, et c'est vrai que c'est pas agréable quoi, de voir un spectacle dans ces conditions. Mais enfin, le public a été vraiment bien, et il aurait été formidable. Et on a eu un accueil formidable. Donc, nous, on est très contents. Et rien que pour le public, le ciel s'embrase, comme un pied de nez à l'orage. Yvan Cassard filme la scène, les musiciens aussi. Premier concert et déjà des souvenirs. Le feu d'artifice ne fait que commencer. Loin, très loin de l'océan Indien, retour sous le ciel de Paris. À peine descendu de l'avion, voici venu pour Johnny Hallyday le temps de la conférence de presse pour les concerts au Parc des Princes. La cour de l'hôtel de ville s'est remplie soudainement. Après Los Angeles, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Tout le monde veut voir Johnny, en chair et en os. Le maire de Paris est le premier à saluer Johnny Hallyday. Les deux hommes ont des points communs, mais pas n'importe lesquels. Je viens de réaliser que nous sommes tous les deux gémeaux. Oh ! Parce que c'est votre anniversaire en juin. Vous êtes du mois de juin, c'est... Ouais, maintenant, je suis du mois de mai, fin mai. Ah, si je vais continuer à te fréquenter, c'est un signe très difficile, le gémeau. C'est un excellent signe, n'est-ce pas ? Hein ? De la personnalité. Imprévisible. Imprévisible, hein. Ah bon ? Ah oui, oh oui. Oh oui. Bon, c'est très joli ce que vous portez. Ah, merci beaucoup. Magnifique. Merci. Alors, comment tu veux qu'on s'organise ? On a une place à côté de Johnny, non, à la table. Moi, j'ai pas à faire la conf de presse avec vous. Vous la faites sans moi, simplement. Moi, je viens vous dire à quel point je suis content que vous le fassiez ici. Du côté des médias, c'est l'engouement. La conférence de presse est pleine à craquer. Plus une chaise de libre. Petit mot de bienvenue de Bertrand Delanoë et le feu des questions pourra commencer. Chers amis, je veux simplement vous dire que ça m'a paru totalement naturel que la maison des Parisiens accueille ce matin la rencontre avec la presse qui lance la tournée 2003 de Johnny. Parce que c'est un hommage aussi de la capitale à notre Johnny national. J'aimerais savoir dans quel état d'esprit vous êtes pour l'instant, Johnny, un peu stressé ? Complètement. Si vous pouviez savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien... Non, c'est vrai, je suis très stressé. Je suis sûr que Johnny est quelqu'un de sensible. Je crois que c'est quelqu'un qui doit avoir une fragilité. Je le crois authentique, généreux, et en même temps, il doit vouloir... dévorer la vie, et donc je pressens chez lui la force et les faiblesses de ceux qui aiment beaucoup la vie. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que la vie ? D'ailleurs, ce qui est très remarquable, c'est que tous ses amis lui sont très attachés, très fidèles. On n'est pas attaché, fidèle à quelqu'un sur des décennies quand cette personne n'en vaut pas la peine. Et justement, regardez bien. Des dizaines de caméras filment Johnny sous tous les angles. Un peu en retrait, loin des autres, un ami de Johnny, Jean-François Stévenin. Il est le seul à filmer le plafond. Il faut dire que Johnny lui a confié une mission de confiance. Et c'est pour ça qu'il est ravi d'être là. On est bien ici, hein, tel de ville. Tout le monde est très poli. Jean-François, c'est avant tout un ami. C'est un vrai auteur, je veux dire, c'est un vrai cinéaste d'auteur. Donc c'était normal, je lui ai demandé de faire le making-of, c'est-à-dire le documentaire de la tournée. Donc il va nous suivre en tournée. Bon, j'aime autant que ce soit lui, parce que comme ça, c'est un pote. Et puis bon, il me suit comme ça, et ça me permet d'être avec lui. La mission, c'est donc un documentaire sur Johnny, mais à la manière Stévenin. Et on aimerait en savoir un peu plus. Je sais pas trop. Je vais faire des trucs qui me passent par la tête, puis après je vais monter pendant assez longtemps, puis on verra bien ce que ça donne. Un chouchou, c'est ma copine, ça. Elle est belle. C'est vrai que lorsqu'on filme Johnny, il vaut mieux être original. Car depuis 43 ans, caméra et appareil photo immortalisent sa vie, son quotidien. Il fait toujours la une, et aujourd'hui encore, pour son 60e anniversaire, il est en couverture de tous les grands magazines. Et si
la presse ne le préoccupe pas vraiment. En revanche, l'image que lui renvoie la caméra le fascine. Je me vois pas pareil quand je me vois sur un écran que je me vois, par exemple, dans une glace, quoi. Le reflet qu'on a de soi-même est toujours... On découvre plein de choses, même sur soi-même, quand on... Sur un écran. Fine, well, I was afraid to do too much. Oh no, but it worked very well. Mais Johnny Hallyday reste toujours attentif aux moindres détails et très soucieux de son image. Fais-moi un peu plus pétard, c'est un peu coiffé là devant. J'ai fait un métier que j'ai choisi. Je fais les choses que j'ai besoin de faire par rapport au métier que je fais. Si je n'acceptais pas ce que je suis, ce que je fais, ben, j'avais qu'à être plombier ou autre chose. Je garde celle-là. Ok. On garde celle-là et on laisse Jean-François Stévenin répondre à ces grandes questions philosophiques. Je sens un truc qui me brûle le cul. Qui me brûle le cul. Mais c'est pas vrai, tu le crois, ça? C'est une pile pour l'émetteur qui fait contact avec une pièce de manège. Ça me chauffe, je te dis, mais je deviens quand même fou. Je sens un coup de chaleur parce que c'est la conférence de presse. Ben non, c'est la pile. Donc quoi, quand même, on est normaux. Je ne savais pas qu'une pile, ça faisait contact avec que ça te chauffait le cul. Paris Montparnasse. Johnny Hallyday profite d'un peu de temps libre pour se rendre sur le chantier de sa future discothèque. J'ai pas vu l'évolution, je vais la découvrir en même temps que vous. Donc j'espère que ça va être comme je voudrais que ce soit. Voilà. Oui, c'est toujours un chantier, mais ça commence à ressembler à quelque chose. En tout cas, le père de Laetitia, qui supervise les travaux, est emballé. Là-bas, c'est la fontaine, je te rappelle. Là, la fontaine là-bas. Donc, ça, il y a l'échafaudage, ça s'en va. Mais tu vas voir en haut, tu as vu un peu la différence, hein? Ça te surprend pas, le par rapport. Ah, mais je suis vraiment épatée, par contre, là. Fais-moi plaisir, viens voir d'en haut, tu verras la différence. Ça, c'est sûr. André, t'es là. Tu te rends compte de ce boulot qui a été fait? C'est un boulot énorme. Un mois. C'est le grosseur. Il faut ça. Ça a changé depuis la dernière fois. C'est comme vous vouliez. Ça commence à prendre forme, oui. Le garde du corps porte un casque. Laetitia porte un casque. André porte un casque. Et le seul à l'avoir à la main, c'est Johnny. Toujours la rock'n'roll attitude. Quand j'ai rencontré Laetitia, c'était à l'amnésia de Miami. Donc tout ça est une histoire qui continue, et c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est émouvant. Ben oui, c'est un bébé qui grandit. C'est toujours émouvant. Super. Pas le temps de traîner. Rendez-vous chez le plus rock des grands couturiers. C'est Jean-Paul Gaultier qui a dessiné les costumes que Johnny portera sur scène. Alors, on commence par quoi? Alors là, donc, c'est un costume qui est en satin, qui est un satin assez épais comme ça, avec des franges de la même couleur. Ce qui veut dire que quand il va arriver, on ne se rendra pas compte qu'il y a de la frange, mais après, quand il va bouger, ça va épouser le mouvement. Tu regardes. Quand tu vas bouger, il y en a carrément qui sont très longs, il y en a qui sont plus courts. On en a mis en dessous, comme ça fera pas vite. Oui, l'endroit est légal. Ouais. Joli. La veste, ça va? La veste, ça va. Ça a l'air rien, mais il faut voir la matière. La matière, elle est là, regardez. Alors, ce qu'il faut voir, quand même, il y a une subtilité, c'est qu'à l'œil, bon, c'est purement métallique, mais regardez, là, cette partie-là est plus sombre. Ça, ce sont des ombres qui sont déjà réalisées à l'avance. Vous voyez, c'est la matière elle-même qui a des zones de grande lumière et des zones plus sombres. Une veste très courte avec un gilet, un pantalon qui s'élargit du bas, donc, assez près de la cuisse, là, et la matière est toute métallique. Je me ferai un tout petit poil plus court. Non. Peut-être. Non. Plus long, j'allais dire. Ah, ouais. Plus long. De toute façon, on va rallonger. Le gilet. Moi, j'ai plus court. Mais... Ouais. La hauteur, ça va, hein. Normalement, c'est bon, là. Vous pouvez... Ça va être le jean entièrement brodé de jet. C'est entre le Mexicain, le rocker... Et voilà, ça va être Johnny. Ça, c'est magnifique. Là, c'est joli comme silhouette. Bleu et noir, c'est très bien, je trouve. Ça reste sombre, ouais. C'est ça. De toute façon, je vais m'appeler toujours. Oui, non, mais je sais. Ce qui peut être beau... Arrêtez de changer mes habitudes. Bon, c'est bon. Là, c'est une cape en cuir qui sera portée sur ce vêtement-là. Parce que celui-là, pour l'instant, n'est pas encore au point et on ne sait pas trop. On va voir comment il va aboutir. On n'est pas sûr que celui-là va rester. Il faudrait que tu décides les trois costumes, voilà. Les deux costumes et demi que tu vas mettre. Bah, déjà, celui-là, c'est sûr.
Oui. Le jean, c'est sûr. Oui. Ouais. Les noirs et le bleu, c'est sûr. Ouais. Tu vois qu'ils soient pas obligés de tout faire d'un coup, ça va, ils n'auront pas le temps. On essaye de faire tout et puis... Déjà, il faut ça. Ouais, ça, ça, ça. Et il faut ça, voilà, déjà, au départ. Donc, la cape aussi, parce que peut-être pour l'entrée, même, tu peux le mettre sur le truc costume et tout. La cape, tu la prépares. Par contre, le pantalon en cuir et ça, on voit après. C'était comment? C'est bien, ça va être bien. Ben, ouais. Faut voir les trucs terminés. Là, c'est pas terminé pour l'instant. C'est les bouches. Préféré, c'est quoi? Moi, le gris argent, j'aime bien. Au revoir, tout le monde. Allez, au revoir. Voilà. Au revoir, monsieur. Merci. J'adore ce que t'as fait. C'est magnifique. Je le vois déjà sur scène. Je me souviens que j'avais à peu près, je sais pas, 10, 16, 17 ans quand j'avais vu son premier concert. C'était au Palais des Sports, à la Porte de Versailles. Et j'en garde un souvenir inoubliable. Donc voilà, je suis ravi de le faire. Et puis là, c'est 60 ans, c'est un anniversaire. Donc je suis très content d'y participer. Et après Madonna, c'est difficile de travailler avec Johnny? Ben, il n'a pas le même format, quoi. Il n'a pas la même taille. Hein. Elle fait 1m63, lui fait 1m85. Déjà, ça change. C'est pas pareil. C'est des mythes, quoi. C'est des mythes qui ne font pas de trous. Qui se sont fait un trou. Donc, non, c'est assez formidable. Je suis ravi. Alors, tout se passe bien? Pas mal, et vous? Pas mal. Très bien. 10 ans après, ils se sont tous donné rendez-vous. Même jour, même heure. Eddie Mitchell, Jean Reno, Patrick Bruel et Marc Lavoine, Jean Reno encore et Mathilde Seigné, Santi, Étienne Rodagil, Fatima, Jacques Dutronc, Yvan Cassard, Desta Hallyday, Claude Bouillon et Lynn Renaud, Jean-François Stévenin, Gérald De Palmas, Pascal Nègre et Daniel Angeli, Didier Barbelivien, Annette Camus, Marie-Josée Nat, Hugo Frey, Mamé, Paul Belmondo, Catherine Lara, Jimmy, Richard Bringer, Carlos, Michel Blanc, Jean-Claude Camus, Robert Rue, Raymond DeVos, Jean-Marie Perrier, Eddy Barclay et Toby. Réunir tous ces people, c'est déjà un tour de force. Mais au fait, pourquoi sont-ils là? Les Restos du Cœur, les Victoires de la Musique, les Césars? Eh bien, pas du tout. Tout ce beau monde est venu pour une photo de famille. C'est un peu le club des amis de Johnny. J'ai juste une chose très importante à vous demander. Pour son anniversaire, ils lui ont préparé une petite surprise. Il faut vous séparer de 10 cm. Toi par là, lui par là. Raymond aussi, et Eddie, Barclay. Tous les potes ont fait le déplacement pour rendre hommage au plus grand des chanteurs. C'est dur de parler de quelqu'un qu'on aime. Enfin, je l'adore. Et c'est le maître, quoi, hein. C'est tout. C'est le maître à tous, à ceux qui sont passés, à ceux qui vont passer, et ceux qui sont très passés. C'est le maître. Et donc je lui souhaite tout ce qu'il veut. J'espère qu'il veut encore beaucoup de choses. Et je t'embrasse très fort, mon pote. Vous m'avez entendu, quoi? T'as senti. On dirait presque une photo de classe, alors forcément, il y a des élèves agités, limite rebelles. Johnny est formidablement rebelle et j'ai vraiment le sentiment de l'être aussi. Voilà, ça roule. Dans les rangs, on est dissipé. À la première occasion, on profite de la récré. Bon, alors, moi, ça fait juste 30 ans seulement. C'était hier. Moi aussi, ça fait 30 ans. 40. C'est qui ment. Oui, j'aimerais pas être à sa place. Alors, je peux vous dire que là... Moi, je suis pas inquiète pour lui. Hein. Je suis pas inquiète, mais... Je pense qu'il va allumer le feu. C'est fort ce que tu dis. Et je vais comme d'habitude compter jusqu'à 3 de façon à ce que tout le monde ait les yeux ouverts. Voilà, très bien. Mais au fait, être l'ami de Johnny, ça veut dire quoi? L'expliquer avec des mots, on deviendrait vite ridicule. Et si les yeux de Bruno Puzzulu pouvaient parler, on en saurait peut-être un peu plus. Un peu par là. Attention! Regardez-moi s'il vous plaît! 1, 2, 3! Ok. Attention, 1! Et même Patrick Bruel a une idole. Non, ne ouvre pas la bouche! Johnny, c'est tellement de choses. C'est toute la mémoire collective. Mais c'est aussi pour certaines personnes comme moi le privilège de l'avoir approché de près, de très près. Et de suffisamment près pour voir qui il est au fond. Et de voir
extraordinaire humanité qu'il y a en lui. Et je sais ce que je lui dois, en tout cas. Je l'aime. Mathilde. Cette photo, c'est une surprise organisée par un grand hebdomadaire habitué du choc des photos. Pour la mettre en scène, Jean-Marie Perrier, qui photographie Johnny depuis plus de 40 ans. Pour une fois, le principal intéressé n'était pas là, mais l'émotion était bien au rendez-vous. Ah ben c'est émouvant de voir toute la vie de Jojo qui défile comme ça d'un seul coup. Ouais, ça, c'est étonnant. Puis finalement, les gens sont très contents de se retrouver. Même ceux qui disent « Ah, je sais pas si je serai libre », tout ça, puis tout à coup, boum. La journaliste Dany Jucco, qui connaît bien le personnage, n'explique toujours pas le mystère Johnny. Ça fait 40 ans que ça dure. Il y a une première génération, la seconde et la troisième. Des enfants de 4 ans jusqu'au personnage âgé. Tout le monde veut voir Hallyday. Personne ne sait pourquoi, mais tout le monde veut être là. Donc il doit avoir quelque chose. Mais ce quelque chose, aujourd'hui encore, personne ne sait ce que c'est. Même pas vous ? Non. Alors, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure. Aérodrome de Nancy, le jet de Johnny Hallyday vient de se poser. Déjà, quelques fans attendent leur idole. Pas le temps de signer des autographes, direction le stade, escorte policière de rigueur. La voiture s'arrête à quelques mètres de la scène pour la première fois. Johnny va découvrir le décor de la tournée, grandeur nature. Oh, l'amour, c'est impressionnant. Oh la vache. Oh la vache. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est énorme. Hein. Pour l'instant, vous ne verrez pas ce décor. Pour le découvrir, il faudra attendre quelques jours et le premier concert au Parc des Princes. Johnny, lui, comme d'habitude, reste pour le moins stoïque. Pas un mot, pas un sourire, juste le silence. Johnny observe, écoute, et Laetitia adore. Ah, c'est une bête. C'est énorme. Ah ouais. J'ai jamais vu ça au monde. Parce que là, ça fait vraiment... Ça enlève un peu le côté fou, quoi, surnaturel. Le secret du décor a été si bien protégé jusqu'à présent que certains n'hésitent pas à s'introduire dans le stade pour le voir. La sécurité s'en est aperçue. Le problème sera vite réglé. Chérie, tu as vu que c'était en fait ? Oui. Johnny s'approche de la scène pour prendre ses marques. Petit tour du futur locataire. Il rejoint Jean-Claude Camus. Comme vous l'avez compris, sur scène, il va y avoir du sport, avec pour Johnny un petit inconvénient. Non, parce que j'ai le vertige, c'est terrible. Moi, je suis capable de tomber, quoi. Je te tiens. Ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas d'eau en dessous, tu comprends? Alors, s'il y avait de la flotte, ça irait. C'est assez somptueux. Je pense pas avoir vu quelqu'un sur une scène comme ça, en tout cas. Maintenant, il faudrait que tout marche, quoi. C'est autre chose. Mais est-ce que tout va marcher? C'est une vraie question pour Jacques Roverolis, le concepteur des lumières du spectacle. Et pour cause. Il n'a pas encore pu commencer ses réglages. C'est sympa, hein? Hein? On languit qu'il fasse nuit, là, maintenant. Moi, j'aimerais bien que le soleil nous lâche un tout petit peu. Hein, parce que tant qu'il fait jour comme ça, moi, je fais rien. Eh, me revoilà, me revoilà. Il est content, on est tous contents. Mais on a peur, quoi. Hein. C'est un nouveau show, c'est normal. Et on est concentré. Ça se voit pas que vous avez peur. Oui, ben, c'est peut-être un peu l'expérience, mais c'est comme si c'était la première fois. Première fois, mais surtout, premier filage. Cette fois, le concert se déroulera en conditions réelles avec le décor. Une seule chance pour tous de procéder au dernier réglage et de corriger le tir s'il y a des ratés. 21h,
allumage. Cette fois, c'est parti pour de bon. Première répétition, grandeur nature, sous les yeux de quelques privilégiés de l'équipe de la tournée et de Jennifer, qui va interpréter un duo avec Johnny. Le stade est vide, mais sur scène, on s'affaire. On prend des notes, on règle la sono, les éclairages. Pour Johnny, ses musiciens et ses choristes, il faut apprivoiser le décor. Vous ne verrez qu'un seul morceau, mais la répétition a duré 2h30. Tout s'est bien passé, tout le monde est heureux et soulagé. Voilà, comme ça, ça fait un service, parce qu'on n'y voit plus rien. C'est... Ce qu'on a vu, c'est génial. Et le reste, bon, ça va se régler, hein. Il y a mille choses à régler. Attends, et ton intro. Ouais. Wow, merci. Jacques Robert Hollis a pu faire quelques réglages, mais il y a encore du boulot. Il en veut dans la gueule, et je sais exactement ce qu'il veut dans la gueule. Donc, on peut pas lui vendre n'importe quoi, quoi. Il veut donner beaucoup aux gens, quoi. Et pour donner beaucoup aux gens, il faut sentir bien sur scène. Et s'il se sent pas bien, ben c'est... Il peut pas donner bien. Il y a des journées comme ça où, décidément, tout va bien. Bon boulot. Le chef. Monsieur Jacques Robert Hollis. L'idole Johnny Hallyday. Stade de Nancy, plus que quelques heures avant le concert. Johnny Hallyday accueille une jolie brune qui chantera ce soir avec lui, en duo. Présentation officielle de Jennifer à l'ensemble de l'équipe. On révise ensemble, je te promets, sous l'oreille attentive d'Yvan Cassard. Et tu rentrerais où alors? Moi, j'y crois comme à la terre, je rentre sur le pont. Ça c'est très bien. Éventuellement tu peux faire une tierce, tu vois, c'est en plus. Hein. Mais pas pour demain. Non, ouais. Pas pour demain. Mais on peut faire ça. Écoute, voilà. On va se voir à Paris. Tout à fait. On va travailler le temps qu'il faut, voilà. Tous les trois. Voilà, très bien. Et on va travailler une tierce, mais voilà. Ici pour un spectacle demain, elle va être nerveuse. Moi, j'ai le trac aussi parce que c'est le premier spectacle. On va s'embrouiller. Grave, là, bah, vaut mieux être. Il vaut mieux le faire bien à Paris. T'as raison. Ensuite, moi, je et elle. Tu peux te démerder avec ça? Ouais, mais tu le veux tout de suite? Oui. Tout de suite. Bah, vous attendez 3 minutes. Ouais, bon, enfin 5. Hein. Merci. Oui, voilà. Ne pique pas mon stylo, s'il te plaît. Assez à toi. T'as le trap ou pas? Ouais. Oui. J'ai perdu une chance, bon, j'en veux plus. Oui, oui. Mais ça va, on commence par un stade qui n'est pas trop grand. Alors, non, c'est pas trop grand. C'est immense. Voilà, on a 30 000 personnes demain, et c'est plein. Et le stade, il y en a 60 000. Le parc, il y en a 60 000. C'est le double. En direct comme ça, je n'aurais jamais pris. Mais ça te va comme chanson, celle-là. Hein? Tu voulais pas un truc plus rythmé ou un truc bah, plus si, j'aurais bien voulu un truc plus rythmé. Pour ouais. D'accord. Je vais faire continuer la route, moi, parce que c'est bah, les mieux, une chanson un petit peu plus douce. Ouais, moi aussi, je suis stressé. Je dors mal la nuit. Ah ouais. Ça va aller mieux au fur et à mesure. C'est bon ? Okay. Allez, on se jette à l'eau. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires, mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. Je crois comme un enfant qu'on peut croire au ciel. Je crois.
Un regard de Johnny, c'est troublant, au point d'en perdre son texte. Cette fois, Jennifer a trouvé ses marques. Le duo est un succès. Après Carmel et Ariel Dombal, Jennifer a réussi son examen de passage sur cette chanson signée Jean-Jacques Goldman. Le concert a commencé, le stade est plein à craquer. Dans quelques instants, Jennifer sera sur scène devant 30 000 spectateurs. De quoi avoir le trac. Stade de Nancy, 19h30. Le compte à rebours a commencé. Dans 120 minutes, Johnny Hallyday montera sur scène. Pour tromper le trac, le bassiste fait des grimaces. Jean-Claude Camus est encore au téléphone. Et Robin a toujours son éternel sourire. Un dîner sur le pouce pour Kurt, le batteur, toujours facétieux. Dehors, Yvan Cassar et Gérard Pulicino jouent les duettistes. C'est le meilleur. Mesdames et messieurs, Yannick Noah, des pieds en béton et surtout une formidable capacité à faire le spectacle. Avant Johnny, c'est un peu le mélange des genres, mais le public est ravi. Jeu, set et match. C'est déjà fini, mais on le retrouvera en finale au Parc des Princes. L'heure de Johnny approche. Le public ne s'y trompe pas. Une formidable holla est improvisée. On est bien dans un stade. En coulisses, Johnny est concentré. Imperturbable, après un an de préparation, c'est le premier concert dans les conditions réelles de la tournée des stades. Alors forcément, on n'est quand même pas très rassuré. Et comme lui. Bah lui aussi, il a peur. Laetitia se dépêche de rejoindre sa place. Et l'orchestre symphonique termine d'accorder ses violons. Les choristes s'échauffent une dernière fois. Et ça y est, c'est parti. Johnny monte vers la scène dans son costume spécialement dessiné par Jean-Paul Gaultier. Tout le monde en piste, que le spectacle commence. 30 000 spectateurs acclament leur idole. Devant l'ambiance qui anime le stade, même la pluie ne pourra éteindre le feu.
Malheureusement, une fois de plus. Mais on est là quand même et on va donner le meilleur de nous pour vous ce soir. Le public fait corps avec le chanteur, reprenant chaque chanson d'une seule voix. Sous la scène, on prépare les guitares, on les astique, on les réaccorde. Robin, à lui seul, utilise pas moins d'une vingtaine de guitares sur l'ensemble de la tournée. En régie, on vérifie que tout fonctionne. On surveille les moindres détails du concert. Redevenu simple spectateur, Yannick Noah apprécie la démonstration. On est bien d'accord, les motards en première ligne. Et Patrick vient avec nous aussi, directement sur l'air. Jimmy, le chef de la sécurité, prépare déjà la fin du concert. Il vérifie que toutes les sorties soient dégagées. Ironie du sort, lui qui travaille sur la préparation de la tournée depuis plusieurs mois, il ne verra pas un seul concert en entier. On appelle Johnny, mais voici l'heure de la Benjamine. Jennifer va rejoindre Johnny sur scène pour chanter Je te promets, en duo. Adrénaline et trac sont au rendez-vous. Pour la jeune chanteuse qui a tout juste 20 ans, c'est un peu le grand oral. Jennifer est acclamée par les 30 000 spectateurs. Et dans la fosse, il y a déjà des malaises. Très bien. Vingtaine d'interventions pour l'instant. Des malaises, des chutes, essentiellement des malaises. Heureusement, rien de grave. Chaque minute du spectacle est parfaitement huilée. À chaque chanson, on change de guitare. Alors que les violonistes se préparent, Jean-François Stévenin, lui, continue de filmer. Pour Jennifer, c'est fini. Duo avec mention et premières impressions. Après 2h30 de spectacle, de sueur, de bonheur, le concert s'achève sous l'ovation du public. Nancy, c'est fini. Johnny s'engouffre dans sa voiture et quitte le stade. Prochain arrêt, le Parc des Princes. Chérie, on est en retard. Tu vas où là ? Comme d'habitude, on va au Parc des Princes. Pour ceux qui ont des doutes, direction le Parc des Princes. Transit express sous escorte de motards. Pas le temps de lézarder au soleil. Ils sont bien, ils sont peinards. Pas de stress. Cool. Sois gentil, Tommy. Oh. Journée de répétition pour ce qui sera le point culminant de la tournée des stades. 4 concerts à Paris devant 60 000 spectateurs. Et déjà, les fans font le siège du stade. Passage éclair par les loges et pas la peine d'essayer d'approcher. Il veut pas déranger. 10 ans déjà. 1993, c'était le dernier concert de Johnny Hallyday au Parc. Un lieu toujours magique, toujours enivrant. We'll be right back.
Johnny, lui, traverse la pelouse d'un pas tranquille, comme s'il promenait Toby. Toujours à l'aise, le voilà qui gagne la scène où les musiciens se préparent. Régent montre les premières photos de la tournée. Tous sont détendus et impatients. Enfin, presque. Dans un coin, Marc Lavoine nous fait un peu de stress. Ou plutôt, comme il le dit lui-même... J'ai une traque de feu. C'est vrai ? Alors, je suis tendu comme un slip. ça fout jamais, je tombe. Je suis surtout très, très ému. Très ému. Et je ne sais pas si je mérite d'être là. Ça va bien ? Je n'ai jamais pleuré, c'est justement la chanson que Marc Lavoine a composée pour Johnny et qu'ils vont chanter en duo. C'est très beau pour moi. C'est très beau le refrain pour moi. Alors je vais faire la tierce d'en dessous, je vais essayer de trouver une tonne. Mais tu vas faire le maximum de couplets. On respire. Savoir que j'ai des potes qui viennent avec moi sur scène, ça me déstresse un peu. C'est vrai? Oui, je suis pas tout seul comme ça, tu vois? I am not alone in that fucking shit. Petite démonstration de track aigu interprété en solo par Marc Lavoine. Et c'est Johnny qui vient le calmer un peu, comme qui dirait, il y a du boulot. Moi, je vais rester près de toi. Hein? Je vais rester assez près de toi. Ouais, tu sais, si toi, à un moment, tu vas là, moi, je vais là. Puis on s'en d'accord, voit, d'accord, toi, d'accord. Qui est de l'animation, pas sur cette terre, parce qu'elle est grande. Okay. Si on est tous les deux collés l'un à l'autre, ça, toi, autant servir de l'espace, toi. Ok. Allez, cette fois, il faut y aller. On m'a giflé, on m'a cogné, on m'a laissé tomber dans les escaliers. Je me suis relevé. On m'a détruit, on m'a sorti, on m'a drogué. De justice, on m'a repris. À Londres, j'ai dormi. Et je n'ai jamais pleuré. Si j'avais commencé, j'aurais pas pu m'arrêter de pleurer, de pleurer. Si j'avais commencé, je n'aurais jamais cessé. Non, je n'ai jamais pleuré. On m'a cassé, on m'a vexé, insulté, souvent déchiré, comme une feuille de papier. On m'a vendu, on m'a sali, anéanti. À mes dépens, j'ai appris qui c'est, qui étaient mes amis. Je n'ai jamais pleuré. S'il avait commencé, j'aurais pas pu m'arrêter de pleurer. S'il avait commencé, je n'aurais jamais cessé. J'aurais pas dû m'arrêter de pleurer, de pleurer. Si j'avais commencé, je n'aurais jamais cessé. Très bien. Ouais, ça va. C'est vrai que tu peux le faire. Bah oui, finalement. Bah alors, c'est parce que tu ne veux pas. Quand on veut, on peut. Parce que t'es à côté de moi, alors. Ça me motive. Bravo, merci. À demain. À demain, ouais. Enfin, visiblement, ça va quand même mieux après. Et ce que siffle Marc Lavoine, c'est justement la musique de notre... Paris, Parc des Princes, c'est le grand jour. Le premier concert d'une série de quatre les plus importants de la tournée. C'est le soir à ne pas rater, le soir où tout doit marcher. Johnny vient d'arriver, il se dirige directement vers sa loge accompagné de Jean-Claude Camus, son producteur. Autour de Johnny, personne ne manque à l'appel. André, le père de Laetitia, Jimmy, le chef de la sécurité. Je viens demander au commissaire
l'affaire est sérieuse. On signale un incident technique. Je te remercie de me remonter le moral. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Yannick Noah se détend à sa manière, à 5 minutes du début du concert. On se retrouve ensemble, accroché à la colline, on y va tapier, on y va tapier, on y va tapier, on y va tapier. Nice baby. Yannick est l'invité de Johnny. C'est lui qui va ouvrir le bal de cette soirée exceptionnelle. Sur la pelouse du parc, plus de 60 000 personnes attendent. On va jouer, on va voir ce qui se passe. Apparemment, l'incident n'est toujours pas maîtrisé. Il s'agit d'un problème électrique. Et les musiciens de Yannick Noah sont déjà sur scène. Yannick Noah rejoint son groupe. Mais en coulisses, ça va mal. Ce qui n'était qu'un incident est en train de tourner au drame. Un à un, les groupes électrogènes sont en train de lâcher. Si ça continue, il n'y aura plus d'électricité sur scène. Déjà, les lumières faiblissent et il n'y a plus de retour vidéo. Allez, ça va. Maintenant, pense à Johnny. C'est les groupes. Il y a une panne. Entre les trois, on sait qu'il y a une panne. On ne la trouve pas. Malgré tous ces problèmes techniques, Yannick Noah va chanter jusqu'au bout et le public ne se rend compte de rien. Il faut que j'aille à la loge de Noah là, pour m'excuser parce que... Il a fini là, non? La loge de Noah, c'est par où déjà? Je me souviens plus. Ah bah c'est là. Il est rentré déjà, non? Il est parti, il est reparti. Hein. Il est reparti il y a quoi? Il y a 5 minutes. Il est reparti? Oui, il est reparti. Ouais. Fâché, non? Ah oui, un petit peu. Ouais. Faut que je lui explique. Roger, pour Jean-Claude Roger. Il faut me rattraper, Féfé, il faut me rattraper, Noah. Oui, ouais. Il est plus là. Putain, c'est une catastrophe. Personne lui a expliqué. Bah, le problème, c'est que Noah, il a joué sans lumière, sans vidéo, sans rien. C'est dans 4 minutes. Effectivement, dans 4 minutes, c'est aux musiciens de Johnny de monter sur scène. Et pourtant, rien n'est réglé. Yvan Cassard est au courant. Il ne fera aucun commentaire. Je vais avoir un état des lieux, Roger vient me voir. Ouais, ils ont divisé le risque. À 2 minutes de l'entrée sur scène de Johnny, tout semble réglé. Enfin, les groupes électrogènes sont repartis. Il faut prier pour qu'ils tiennent encore 2h30. Il semblerait que ça marche. Oui, Michel. Putain, mais c'est rien à côté de ce qui pouvait arriver, va. Ne nous angoissons pas. 25 minutes, le temps pour un public enthousiaste d'enchaîner les holas. Pour ce qui est de vous, on est terriblement désolés. On était totalement en panne. Et quand vous étiez sur scène, pour nous, on jouait pas. Ça y est, tout est prêt. Johnny peut monter sur scène, tout est en place. Jean-Claude Camus est passé par toutes les phases de stress, mais il a encore la force d'encourager Johnny. Je fais des merdes. Ça va faire. Voilà. La marée humaine du Parc des Princes s'enflamme. 60 000 spectateurs en délire. En coulisses, on redouble de vigilance, on vérifie que tout fonctionne. Dans le parc, comme d'habitude, le public accompagne Johnny quand il chante « Que je t'aime ». Sur scène, Johnny a embrasé le parc et le public en redemande. « Que je t'aime ». Eh bien, nous voici de retour ici, au Parc des Princes, avec vous. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir.
il y a 10 ans. J'ai fait mes 50 ans ici. Et ce soir, avec vous, je célèbre mes 40 ans. Bon, alors. Paris, Parc des Princes. Ça, c'est bon. Tout est bon dans la loge VIP, celle des Very Important Persons. C'est Annette Camus qui en est responsable. Et ce soir, le tout Paris est là. Michel Sardou. Nicolas, viens. Où est-ce qu'elle est, Lydie? Oh là 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 là. Michel Fugain. Carlos et Catherine Deneuve, entre autres. Et beaucoup d'autres sont là pour voir leur copain Johnny sur scène. Non, c'est bon, tout va bien. Les en coulisses, séance d'habillage colorée pour la bande à Noah. Tout le monde est de bonne humeur, on essaie d'oublier les petits soucis techniques de la veille. Aïe, mon épaule. Aïe. Et je voudrais dire qu'on joue aussi de la musique, on ne fait pas que se flinguer. Mais au fait, quel est le nom du groupe de Noah? Vous vous appelez comment? Henri Lecomte. Non, le groupe? Sam Sam. Merci. Non, les Rolling Stones. D'ailleurs, pas de malaise entre Johnny et Yannick. On se parle franco. Il faut dire que c'est Johnny lui-même qui a invité Noah à chanter pour le début du concert. Alors ce soir, tout se passera bien. Hier, j'ai fait tout le concert avec l'arsène dans les oreilles, tu vois. Et j'entendais rien. C'était horrible. J'ai jamais vécu un truc pareil. Mais pareil que c'est le métier qui rentre. Faut faire avec. Ah putain, j'ai les boules. J'ai l'impression d'être un boxeur qui s'est pris une branlée hier et qui retourne sur le ring, si tu veux. Pas ça, tout va bien. Prêt pour le second round, malgré l'appréhension. Ça fout les jetons, hein, quand même. Le plus excitant, c'est justement d'avoir cette espèce de doute avant de rentrer sur scène. Parce que quelque part, on aime ça, quoi. Se remettre en question tous les soirs. C'est ça qui est bon. Rien n'est jamais acquis, c'est vrai. Donc j'aime bien ça. Rien n'est acquis, vite dit. Car le public lui semble être bien acquis à la cause Noah. Et même Catherine Deneuve. Il faut dire que Noah donne de sa personne, allant jusqu'à descendre dans la fosse pour saluer les spectateurs. Deuxième round victorieux et acclamation du public. Ouais, c'est super. La nuit est tombée sur le Parc des Princes. L'heure de Johnny approche. 60 000 spectateurs impatients, en transe, prêts à vivre un moment inoubliable avec leur idole. En fait, Johnny n'est ni seul ni désespéré, mais porté par un public déchaîné. Un vent de folie souffle sur le parc. Le crois-tu ce que tu dis? Fais-le moi. Un public comme ça, c'est un public en or. Vous savez, tous les jours, je me dis que j'ai vraiment de la chance d'avoir un public comme vous. Merci. Après le trac du premier soir, à la fin du concert, tout le monde est détendu. Tout va de mieux en mieux. Oh yeah, you were great tonight. Thank you. You too. See you, Jack. You are stronger and stronger. Sunday we drink, huh? Sunday? Oh yes.
Mais Jean-Pierre. Boogie. Ouais, c'est mieux qu'hier. La sécurité dehors, il n'y a pas d'envie. Bah, tous les jours, ça sera un peu mieux, si on me laissait le temps. Mais on me hurle toujours, on me laisse jamais le temps de rien faire. Moi, j'ai besoin de temps pour me mettre en place. Après, il y a l'autre, là, de jour J-60, qui dit que je fais toujours la gueule. Mais c'est pas vrai. Je suis pas de mauvaise humeur, je fais pas la gueule. Je suis simplement inquiet parce qu'on ne me laisse pas assez de temps. À part ça, je suis très joyeux, je ne fais jamais la tête à personne. Je suis un guéluron, n'est-ce pas? Maintenant que je suis déstressé, tout va bien. Maintenant, je souris. Tout. Mais je suis comme les gens sérieux. Moi, quand j'ai des problèmes, je pense à mes problèmes. Ouais, c'est ce que je veux dire. Bon, merci. Message reçu. Là, on a vraiment bien compris. Pierre, là... Il n'arrête pas de dire que je fais la gueule. À la gueule, tu m'as jamais fait la gueule? Non. Jamais. Coulisses du Parc des Princes, nous sommes à 1h du spectacle, alors on se prépare, on s'habille, on se maquille et même on révise. Un peu. Il y a trois partages, d'accord? Il y a trois versions. Non, c'est non, on arrive comme ça. Non, la première partie. Ouais. C'est parce qu'elle dit c'est pas vrai. Chez les musiciens, les costumes sont tout aussi étudiés, mais le styliste ne s'est pas occupé du pressing. Quelqu'un qui a porté ça déjà. Là. Alors faut laver. Là. À la vue du décor qui était très très industriel, de faire un stylisme dans l'esprit de Matrix, le film. Les filles sont très féminines, très sexy. Donc voilà, beaucoup de cuir, beaucoup de matière, très peu de couleurs, mais beaucoup de matière qui prennent la lumière. Et puis pour ces charmantes demoiselles, une tenue barbaresque. Pour les gens, c'est la vraie tenue de rockstar. Voilà. Pas mal. Défilé printemps-été 2003, collection Parc des Princes. Parfait. Hier, j'ai eu l'impression de perdre mon bustier sur scène. C'était affreux. Ça suffit, toi, tu as ça. Coulisses toujours, voilà une visite tout à fait non officielle. Le ministre de l'Intérieur est un fan depuis toujours. J'ai tous les classiques, tous des plus connus ou moins connus. Les moins connus, à Compris Vite Charlie, qui ne chantera, je pense pas, ce soir. À Que je t'aime, à toutes les chansons. Bref, je crois avoir fait tous ces spectacles. Je ne connais pas aussi bien les chansons que lui, mais c'est vrai qu'il m'a fait connaître et aimer depuis des années, Johnny. Le pénitencier. Cécilia et Nicolas Sarkozy sont invités dans la loge de Johnny. Conversation sans protocole. C'est un vrai bouffé alors que tu viens comme tout. Moi, je mange du poisson. Je mange du poisson, je m'en fais de figure. Enfin, la durée du spectacle, en tout cas. Écoutez, tu es beau. Bah, écoute. À mon âge, il faut s'entretenir. Toi, t'es beaucoup plus jeune que moi, toi. J'ai plus 48 ans. Oui, moi, j'ai fait 60. Mais arrête, je sais, on le fait. Mais tu vas voir, sur scène, je m'annonce 40 ans. Puis on sera joli toujours un peu. Écoute, je vais te dire un truc. Si on s'était dit ça, hein, que pour tes 60 ans... Écoute, quand même, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. C'est sûr. Que pour les 60 ans, tu remplirais... Et Parc des Princes comme ça, c'est inouï. Franchement. Hein? La vie. J'ai encore le souvenir quand on a déjeuné pour ton mariage. Oh, et moi donc. Il chantait à Périgueux le soir. Et moi donc. Chantait pas à Périgueux le soir. Quand il vient, moi j'ai le trac, parce que comme il connaît toutes les paroles par cœur, j'ai toujours la trouille de me gourer, moi. Il chantait à Périgueux. Hein? Tu te souviens de ton mariage, c'était oui, voilà. Je suis fatigué le soir. Bon, moi, je vais peut-être... On va te laisser préparer, hein. Je ne peux pas te faire attendre trop longtemps. T'as plein de choses à faire. Pour moi, c'est mon bonheur, moi, tu sais. Ça me fait plaisir de te voir, que tu sois là. Merci. On y va tout de suite, là, parce que dans 5 minutes, on part. Allez. Il ne reste que 5 minutes, alors on répète une dernière fois. Ensuite, vous attaquez sur celui-là. OK, bon, on attaque direct. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'il vous plaît. À force de tourner tous. Non. Bonsoir. Ça va? Tout à l'heure. 60 000 spectateurs et toujours la formidable ferveur du Parc des Princes. Merci, bonsoir. Un drapeau, une idée, une idole, des enfants.
2h30 de concert, 2h30 de bonheur. Et celui qui ne veut pas la faire, cette guerre qui se joue sur la table, entre l'or noir et les billets verts. Concert en accord majeur, le public et Nicolas Sarkozy apprécient. Mention très bien pour Yvan Cassar. C'est un chef-d'œuvre. Merci. Vraiment. Merci. Vraiment. Tu devrais écrire un opéra. Instant d'émotion, la maman de Johnny Hallyday, Huguette, est là. Johnny est ému. Alors il fait de l'humour. J'essaie de chanter fort pour que t'entendes. Du monde dehors, on suit la voiture. Hein. Pour aujourd'hui, le spectacle est fini. Dehors, les inconditionnels attendent. Dans 48 heures, Johnny fêtera ses 60 ans. Alors, exceptionnellement, à demain. Parc des Princes. Pelouse interdite, pas pour tout le monde. Début de la répétition pour Johnny qui arrive accompagné de Jean-Claude Camus et d'une guest star, Toby. Sur scène, Yvan Cassar a préparé les derniers arrangements pour les répétitions des duos. Pour commencer, on s'échauffe un peu. Petite annonce au micro, recherche Toby désespérément. Il faut dire qu'une fois qu'on l'a retrouvé, on a du mal à l'oublier. Toby est comme chez lui. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Il y a longtemps sur des guitares pour chanter. Les choristes et les musiciens connaissent bien Toby. La musique vivra. Et Toby adore les chaussures, toutes les chaussures. Mais finalement, il est prié de regagner sa loge. C'est l'heure de la sieste. Florent Pagny, Toby, les présentations sont faites, on peut chanter. Vous êtes bien installé, vous avez un beau petit logis là. Mon chien peut courir. Monsieur me dit que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt, bah regardez nous aussi. Pense à moi quand si je te caresse. Pense à moi quand si je te baisse. Pense à moi quand son ombre se lève. Pense à moi, pense à moi, loin de toi. Pense à moi. Pendant ce temps, le candidat suivant révise, à sa manière. Il en profite même pour se faire une anti-sèche. Ça n'a pas l'air facile à relire. Premier duo réussi, Toby a apprécié. Candidat suivant. Quelque chose en nous deux. Et Renaud se lance dans une version de Tennessee, bien à lui. Duo approuvé. Oral suivant pour un habitué de la maison, Patrick Bruel, qui n'en est pas à son premier duo avec Johnny. Cette fois ensemble, ils chantent l'envie. Qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Et qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, et qu'on va vivre ma vie. Thank you.
Après la visite des copains, il faut se remettre au boulot. Premiers accords des portes du pénitencier. Pour l'un des plus vieux tubes de Johnny, toujours aussi populaire en concert. Ce soir, comme tous les soirs, le photographe Daniel Angeli immortalise Johnny. Depuis plus de 10 ans, Daniel Angeli suit la star partout. C'est lui qui a réalisé quelques-uns des portraits les plus célèbres de Johnny Hallyday. Dans les quotidiens, les magazines, ces clichés racontent mieux Johnny que ne le ferait un long article. C'est le regard d'un artiste, mais c'est surtout le regard d'un ami. Daniel Angeli est concentré. L'anniversaire de Johnny, c'est dans 24 heures. Et il va y avoir du boulot. Alors à demain, 15 juin, pour le jour J. C'est le jour J. Champagne pour tout le monde. Et bon anniversaire, Johnny. Je retiens un petit coup de champagne quand même, on l'a pas volé. Toute l'équipe de la tournée s'est réunie avant le dernier concert au parc pour fêter les 60 ans du boss. Cheers, cheers. Salut. Salute. Here we are, one more time, Parc de France. No, it's an amazing thing here in Paris. Every time I come here, they keep making the baguettes smaller and smaller. C'est les macarons. Quel accueil! En coulisses, la bande à Noah fête aussi Johnny. Il y a 2 mois, J-60 vous proposait de découvrir le plus grand artiste français, pas seulement côté scène, mais aussi côté coulisses. Et rien de plus simple. Même moi, j'y arrive. Moi, j'adore les chiens. Les chiens sont des êtres qui ne vous demandent rien, par de l'affection. Les plus fidèles. Ils ne vous tromperont jamais. Après des semaines aux côtés de la star, le mystère Johnny reste intact. Mais on en sait un peu plus sur l'homme, ses coups de gueule, ses coups de cœur. Le plus grand chanteur français n'est pas seulement une icône du rock, mais aussi un homme, tout simplement. Un chanteur vulnérable qui, pour se concentrer et travailler, a parfois besoin de partir au bout du monde, allant jusqu'à s'éloigner de ceux qu'il aime. Un grand professionnel aussi, qui travaille avec acharnement pour préparer le mieux possible ses concerts. Un perfectionniste qui veut donner le meilleur de lui-même à son public. Johnny Hallyday, un amoureux pudique aussi. Il préfère dire « je t'aime » en chanson. La vie, mes rires à mes larmes, je te promets le pont à la place des jarres. Plus jamais des adieux, rien que tes au revoir. Un homme ordinaire aussi parfois. Ça vous arrive souvent d'aller au supermarché ? En France, jamais. Un homme timide, réservé, qui n'hésite pas à partager avec ses musiciens
les moments de joie et de fête. Un chanteur un peu solitaire qui cherche la concentration loin du monde, avant un grand défi, comme un boxeur avant un match décisif. Disons que ces trois jours que j'ai passés à l'île Maurice, c'était surtout de la récupération. Parce que sur scène, quand il faut envoyer la patate, il faut l'envoyer. Alors si on est crevé, ça le fait pas, quoi. Et là, vous allez mieux ? Là, ça va. J'ai récupéré. Un homme courageux aussi, n'hésitant pas à braver les éléments pour tenir ses promesses. Un homme parfois inquiet qui, après 43 ans de carrière, a encore le trac et a besoin du soutien des siens avant de monter sur scène. Je fais les merdes. Ça va faire. J-60, on m'a pris tous les jours, comme ça, dans ma vie quotidienne, mes répétitions, mes virées en moto, mes retrouvailles avec Laetitia, mes retrouvailles avec les musiciens, avec mes copains. C'est des choses qu'on ne triche pas. Dans la vie de tout le monde, il y a des moments de tendresse, et puis il y a des moments d'angoisse, il y a des moments... Non, je pense pas. J'ai été assez vrai de ce que je suis humainement, en tout cas. Vous m'avez suivi pendant 2 mois, donc vous avez vu un petit peu comment je vis. Celui qui me comprend le mieux, c'est lui, de toute façon. Vraiment, Toby, il y aura toujours une part de mystère. 6-60, c'est fini. Salut à tous et bon anniversaire, Johnny.